va, non, ça va. Anyway, anyway, don't fight to. Red on red, you know, you know. On a biso, on a biso. On a biso, my baby boy. I be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. If you ever fail, I'll be running to you. Running, running, running to you. Vous voulez, on peut t'aider à dire ça. Tu peux m'aider? Maman, pardon, laisse, j'ai redémarré ça. J'ai démarré. Ah. J'ai même les complications. Hein. J'aime pas qu'on me complique la vie. Je vais encore seulement redémarrer. J'ai mis. Ça va. Je n'aime pas te donner les mots de tête. Je n'aime pas les mots de tête. Si tu es client, je donne les mots de tête. Je t'étais. Tu dis même mon enfant, tu donnes les mots de tête. Quitte à côté de moi, laisse-moi. Bon, on va gérer ça après. Téléphone, tu restes là-bas. Ok. Sachez, j'enlève tout le monde de négatif sur cette vidéo. Seigneur, donne-moi exactement, montre-moi ce que tu m'as. Seigneur m'a montré des choses que je devais vous dire. Et je prie que je prie d'avoir le discernement pour ne pas les oublier. Ok? Au nom de Jésus, amen. J'aime mon sourire ce matin. Allez, on applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? J'aime faire mon atala pour moi-même. On applaudit pour qui? Si vous ne m'aimez pas, je m'aime déjà. Aïe, 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 ce qu'elle veut dire aujourd'hui, sans que. On applaudit pour moi, pour moi, pour moi, On est 50, on est à beaucoup, on a beaucoup ici dedans. On est à beaucoup, oh. Certains sortent, ils partent, ils reviennent, ils partent en Belgique, ils demandent le visa, après ils reviennent. Hein? On a le titre de séjour, après ils reviennent encore. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour moi. Ah! Oh, Seigneur. Bon. Bon. My God, je suis trop de bonne humeur. J'ai envie de mettre le parfum ici encore. Merci, Seigneur. Nathalie. Yes. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui? Voyons voir. Je parlais du manque de respect tout à l'heure. Et l'ennemi passe par des choses très subtiles que parfois toi-même tu ne te rends pas compte. Vous devez avoir une façon très stricte de gérer vos gens. Parce que tu vois, quand tu rencontres un homme, c'est la façon dont tu viens, tu te donnes ou tu te montres qu'il te prend. David a bonjour. Si tu arrives, tu te prends pour 5 ans. Il fait un truc comme ça, là, tu acceptes, tu laisses passer. Maintenant, de cette façon, dans le spirituel, l'ennemi passe souvent par des façons subtiles, les attaques subtiles. Tu as peut-être une collègue de boulot. L'autre jour, par exemple, je suis allé à un guichet là, de la banque. J'arrive, je dis voilà, elle demande sur votre compte régional ou sur votre compte international. Ah non, elle ne me demande pas ça. Vous voulez faire un retrait? Oui. Je lui dis, c'est sur mon compte interrégional. Elle ne suit pas. Oui, madame, remplissez, remplissez ici. Je dis deux fois que c'est sur mon compte interrégional. Après ça, quand elle remplit, elle regarde mon compte principal, elle voit la somme de correspond à ce que je veux. Madame, c'est dans votre compte principal? Je dis, non, c'est dans mon compte interrégional. Mais vous ne m'avez pas dit. Je lui dis, j'ai dit.
J'ai dit. Maintenant, si toi, tu ne m'as pas écouté, ou tu as... Et c'est là qu'elle commence à se fâcher. Oui, moi, il faut se demander cela. Je ne la connais pas. Mais elle se prend un malin plaisir. Tu vois, le genre de personne qui veut toujours te montrer, te pointer tes erreurs. Voilà l'une des stratégies avec lesquelles l'ennemi t'attaque. Et vous savez que les petites choses, l'ennemi parfois, ce n'est pas avec les grandes choses qui t'attaquent, mais avec les petites choses subtiles. Subtiles, bêtes, donc. Tu es au magasin, tu vends tes choses. Une cliente vient. Elle arrive, tu dis bonsoir, elle ne répond pas. Elle est dans ton magasin, elle. Bonsoir, madame. Elle regarde, elle touche. Et tout. Dans sa tête, c'est que comme c'est toi qui vends, elle va te traiter n'importe comment. Maman, si c'est dans mon magasin, tu fais comme ça. Hein. Moi, je demande de sortir, moi. Je te laisse seul là-bas. Tu restes seul dans ton monde là-bas. Tu parles seul. Je ne suis pas avec toi. C'est seulement moi. Vous savez que j'exagère souvent dans mes choses. Mais je suis trop extrême. Finalement, elle commence à toucher. Je t'assure, si, même si elle achète, elle va revenir te dire que ton affaire ne marche pas. Elle va revenir te dire que ça ne marche pas. Donc, il y a des personnes qui vont, like, en anglais, on dit poke. They will poke you. C'est comme si elle prend, elle te pique. Elle te pique. Tu sens ça, mais tu te dis, ah, c'est l'argent, non? Ouais, c'est. Oh, les coiffeuses. Les coiffeuses, là, soulevez les mains. Les coiffeuses, soulevez les mains. Allez, tournez les reins. Je donne les mains aux coiffeuses. Coiffeuses, make-upeuses, les ongles. C'est pas facile. Une vient. Pourquoi mon ongle s'y est plus court que l'autre? Ce sont tes ongles, maman. J'essaie seulement avec la. Pourquoi? Oui, ici là. Elle n'a pas les cheveux là-bas. Il faut que tu crées la natte là-bas. Maman, je vais te traiter comment il n'y a pas de. Elle vient te montrer le modèle. Elle ne tient pas compte qu'elle a les mon vieux, que ses cheveux commencent ici au milieu de la tête. Là, voilà qui commence. Et quand tu commences à tresser, elle voit, elle ne dit rien. Ou elle a espoir qu'au milieu de la tête, ses cheveux vont se transformer comme pour Sangoku. Oh, là voilà. Fais, tu fais. Après un moment, elle s'arrête. Elle regarde. Depuis une heure de temps, elle te voit faire ses cheveux. C'est pour ça que j'ai arrêté la coiffure. J'ai coiffé. J'ai fait la coiffure dans 5 ans. Souvent, tu la coiffes. Elle sait que son argent ne suffit pas dans son sac. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Quand tu finis tout. Oui. Je sais qu'elle devait te donner 40 euros, hein, mais j'ai seulement 38,50 euros. Ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Ma chérie, c'est 40 euros. Tu as même pris l'extra. J'ai mis le truc ici là. J'ai fait les baby hair. C'est normalement 5 euros. J'étais épilé les sourcils. C'est 2 euros sur ça. Non. Quand Dieu va vouloir te faire changer de niveau, il va commencer à te rendre insupportable. Donc, ces choses seront insupportables pour toi. Ah ben bonjour, monsieur Tchenkam, tu fais quoi ici? Tu finis de limer les 10 ongles, elle dit que c'est trop long. Oh, yeah. Alors que tu fais le premier fois, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dixième. Oui. Oh là là. Donc, Dieu va commencer à te rendre... Avant, tu tolérais parce que tu disais que... Ah, elle paye, c'est l'argent, non? Est-ce qu'on chasse la cliente? Je ne sais pas qui a inventé la fête de le client est roi. Quand j'ai commencé à faire des services où j'augmentais l'argent, j'ai commencé d'abord à me dire, premièrement, supposons on prend une coiffeuse. Coiffeuse à domicile. La coiffeuse à domicile doit demander plus d'argent que la coiffeuse normale. Si tu viens coiffer une cliente, premièrement, tu... Ton transport aller, retour. Donc, tu économises à ta cliente une heure de transport aller, une heure de transport retour.
Si elle arrivait au salon, elle s'asseyait pour attendre. Tu économises encore son temps d'attente et tu ne la sors pas de son environnement. Hein? Tu arrives chez elle. Au départ, moi, je coiffais. J'allais chez les gens coiffés. Tu arrives chez une mère. Oh, attends, je le nourris. Non, tu sais, il aime quand on le nourrit seulement quand ses pieds sont en l'air. Donc, tu ne peux pas me faire mes cheveux pendant que... Hein? Tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire mes cheveux pendant que je suis à te le nourrir. Il faut absolument que je fasse la nourriture au soleil. Je ne sais pas. Les faux trucs. Tu attends. Tu es devant la télé. Tu attends. Elle finit. C'est bon. Oui. Tu commences encore la tête. Elle tourne comme ça là. Oui. Attends, je m'occupe de toi. Oui, maman. C'est ça, Laetitia. On t'a bien fait ça. Que ma fille, attends, je m'occupe de ton père. Tant que tu ne vois pas, tant que tu ne valorises pas ce que tu as et qui tu es, la valeur de ton service augmente toujours avec la valeur de toi-même. Le même make-up, les mêmes doigts que tu utilises pour faire... Attendez, ce sont tes mêmes doigts, non, Coco, que tu prends pour faire ça. Pour faire ça, n'est-ce pas? Si ta valeur augmente, ce que tu fais comme ça à quelqu'un, elle te donne 10 000. La semaine qui suit, tu peux faire. On te donne 50 000. Et l'ennemi va passer par les personnes. Ok, voici comment ça monte. Ça fonctionne dans le monde spirituel. Il y a des entités que vous ne voyez pas, bien sûr, qui marchent. Donc, elles sont là. Elles... On va commencer par le commencement. Il y en a parmi vous que quand vous êtes nés, on a envoyé du royaume des ténèbres. Vous avez des agents négatifs qui vous suivent. Donc, ils sont là nuit et jour. Quand tu restes là comme ça, dans tes idées, tu dis que je dois partir à City Sport. Après, je dois partir à Eneo. Il faut que... On m'a dit qu'il y a pas le carburant à Douala. Après, je dois fouiller le carburant. Tous tes plans que tu as tracés là. Sache que depuis que tu es né, les entités négatives sont... Poster, c'est pour ça que souvent quand tu arrives dans un service, tu ne connais pas la femme là. Hein? Mais elle te fait des problèmes. Donc, ces entités en fait, voici les révélations que m'avait montré une fois. Donc, supposons, tu ne deals pas avec eux au Cameroun, tu pars au Canada. Ils vont parler à l'ambassade des entités négatives du Canada. Ils vont passer ton dossier. Écoutez ça seulement comme j'ai dit là. Ok, ne riez pas. Ils vont passer ton dossier. Hein? Le ministre des Affaires étrangères du Cameroun qui se trouve au Canada, il va prendre ton dossier. Ok, elle est arrivée où? Elle vit où? À Chesley Drive. Ok, number 54. D'accord, on prend tes antécédents, on regarde. Ah, c'est une élue, hein? Elle a les dons, elle peut voir. Ok, elle peut faire le commerce. Ah, elle a le don de guérir par la parole. Ok, oh my god, okay, d'accord. Elle a aussi le business en elle. Ok. Ils prennent ton dossier. Ils vont maintenant aller entrer dans les gens qui sont dans le territoire. Ton dossier a été passé au bon département. Le spirituel, c'est la copie, ou le physique, c'est la copie du spirituel. Comme ça que tu arrives, tu avais des problèmes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu arrives au Canada, tu as l'impression que c'est les mêmes problèmes. On t'envoie même tes Decepticons, les Mariticons là. Hmm? Moi, il y avait que les hommes mariés qui me poursuivaient. Tu arrives, tu te dis, comme je suis dans un nouveau pays là. Puis, deux semaines plus tard, tu tombes sur un homme, il te manque, qui n'est pas marié, alors qu'il est marié. Hmm? Ah, il te parle de ta vie. J'espère que tu t'es mis nu. Il te dit de te mettre nu. Vraiment, vous êtes fou là. Hein? Hmm? Donc voilà, tu tombes sur le gars, il ne te dit pas qu'il est marié. Les mêmes problèmes que tu avais dans tel pays, tu transposes ça. Tu viens faire la même chose dans tel pays. C'est ainsi que l'ennemi va passer son temps, si tu ne fais pas attention, à te ralentir. Donc, tu te lèves le matin, tu peux t'asseoir dans ton salon de coiffure. Ils vont aller parler à une femme quelque part.
Arrivé en route, on m'a gratté sa voiture, ça va l'énerver. Quand on finit d'énerver avec sa voiture qu'on a gratté, ça va faire peut-être 50 000 au garage. Soudainement, les entités qui te détestent là vont mettre dans sa tête que va dans le salon de Rafina aujourd'hui, va voir Florence aujourd'hui. Ce qui fait que quand vos chemins se rencontrent, la personne en face de toi est assujettie, est sous l'influence d'une énergie négative. Et l'énergie, ce n'est pas seulement les mauvais esprits qui sont sur la tête des gens en train de danser avec une queue, avec des cornes. Non. Ça peut être la colère. La colère. Je crois qu'il y a un truc en ligne souvent qui faisait qu'on montrait un homme qu'il se lève le matin, il est en colère, non? Il prend une boule, dont la boule représentait la colère. Il arrive en route, une femme le pousse, il se fâche. Ah, là, là, là. Et quand il gronde la femme, il passe la boule à la femme. Elle prend au ciel, arrive à la maison. Son enfant vient vers elle, il veut l'embrasser. Elle aussi est en colère. Ah, elle passe la balle à l'enfant. Donc, les énergies, les entités négatives se nourrissent, vous habitent et ont le droit d'opérer à travers les énergies ou les émotions que je viens de vous citer. Il y en a plus. La jalousie, pour être jaloux, les gens n'ont pas besoin de motif. Il suffit que tu sois belle. Ton visage est comme ça là. Il n'y a pas les boutons sur ça. Hein? C'est bon, hein? Il suffit que quand vous étiez jeune, partout où vous passez, c'est tout toi qu'on veut. Ouais, le numéro, donne-moi le numéro de celle-là. Tu arrives quelque part, tu crois qu'on va dire que, oh waouh! Voilà, un gardien devant la banque t'a fait ça. La chef d'agence te dit d'entrer. Il dit que non. Que fait-il? Et quand tu regardes, sous d'autres circonstances, ce même gardien-là serait très gentil. C'est que temporairement, parfois, on laisse notre corps être un vaisseau qui est habité et contrôlé. Vous avez vu le film Matrix, non? Quand les entités là voulaient aller quelque part dans un voie, donc ils pouvaient entrer, prendre n'importe quelle forme. Le miel. Tu te bloques même. Voilà. Ces entités vont entrer et prendre n'importe quelle forme. Maintenant, vous devez savoir identifier parce que ça vient comme un coup sur toi. On ne vous a pas expliqué ceci. Ce que je vous dis là. Ça peut être même une de tes employés qui te manque de respect. Peut-être que dans ton salon de coiffure, tu as les filles que tu formes. Quelqu'un arrive, quelqu'un qui te déteste. J'ai eu ça, je veux vous raconter l'histoire. J'ouvre un de mes locaux quelque part. J'avais une jeune fille qui me servait fidèlement. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte à côté de moi souvent, il sent que c'est les esprits qui vous influencent. Vraiment, la fille là, belle, gentille. Souvent, quand elle avait même mes sous sur elle, jusqu'à ta certaine 500, 700 000, elle dit, ouais, madame, pardon, prenez votre argent, vraiment, je suis déjà, il y a beaucoup sur moi, je peux déposer dans quel compte? Vous me demandez l'aide, je vous bloque, attendez, je vous bloque, attendez, je bloque ici, ne venez pas m'énerver, j'ai besoin de gagner mon zen, j'étais contente ici depuis le matin. Si vos questions n'ont pas trait avec ce que j'ai dit, sortez de mon direct. Dans ma bio, il y a mon numéro de téléphone. Écrivez là-bas, vous demandez vos choses. Tu as mis l'huile de déblocage sur toi avec le donne-moi tout. L'huile de blindage, très important. Il y a des moments où tu restes comme ça, tu sens sur ta poitrine. En passant, quand je m'énerve, ne me dites pas de ne pas m'énerver. Je m'énerve si je veux. Ok? Voilà. Tu mets l'huile sur ta poitrine. Tu mets sur ta poitrine ici. Tu oins. Il y a l'huile de blindage, il y a le donne-moi tout. Tu oins ça sur toi. Gentil. Donc, une personne me voit ici en ligne. Ou c'était la jalousie, ou c'était l'envie, ou c'était quoi, ou c'était la concurrence. Ou. Je suis seule dans mon couloir. Vous avez vu une femme en ligne qui me ressemble? Je ne ressemble à personne. Ne m'appelez plus Juju. Ma mère m'a accouché seule.
Donc la femme m'approche. Elle me dit, Juju, j'ai eu des visions sur toi. J'ai eu des rêves sur toi. J'ai eu ceci. Que Juju. Hein? Que Juju. Premier temps de Juju là, j'ai fui l'affaire là. J'ai fui. J'ai dit que mais on a pas oublié un enfant dans le ventre de ma mère quand on m'accouchait. Comment tu peux dire Juju? Non, tu sais, ne te dérange pas. Quand je me fâche avec mes employés connaissent. Quand vous m'énervez, je te pénalise, là, 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 on quitte ça. Donc, comme mon employé a été dans sa ville, non, je vais aller la voir. T'inquiète, je vais parler avec elle. Depuis qu'elle a commencé à parler avec mon employé, je vois les excès, je vois les manques de respect comme ça, là. Je vois d'abord un manque de respect à un de ses... des gens qu'il a... un de ses superviseurs. J'observe ça, je dis que ça, ça ressemble pas à la physique. Vous voyez comment l'ennemi entre dans le cœur des gens. Même quand Judas a trahi Jésus, Satan est entré dans son cœur. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Je les mets ensemble, je parle, je dis, voilà. Je dis, parfois, j'essaie trop de comprendre les gens. Et parfois, on faisait ces réunions-là, Juju était là et regardait. Après, ça passe à une autre dimension. La jeune fille commence à prendre l'argent dans le compte. Donc, si elle est, par jour, elle fait, elle peut, parfois, se servait même en un mois, elle a pris 295 000. Quelqu'un qui était payé 95 000 ou 100 000. En un mois. Donc, quand on fait les transactions, elle vient dans le compte. Elle écrit au client, elle dit, elle demande qu'on envoie son compte à elle d'abord. Pardon. Deuxième chose, normalement, elle avait accès au compte, je pense, pour pouvoir retirer l'argent, tout comme ça. On m'a intronisé depuis ce matin que tu me dis, ma main démarche, recevez l'argent. L'argent arrive. Oh yo! L'argent rend de bonne humeur. Et si tu ne me crois pas, prends 10 000, tu donnes à un passant là-bas. Il va t'aimer. Hé, merci. Bon, continuons. Vous avez reçu votre argent, non? Je vois comment c'est. Un jour, je suis venue au Cameroun. Avec la fatigue. C'était dans mes débuts de grossesse. Ne me posez pas les questions. Si ce qu'il dit ne vous concerne pas, quittez de mon direct. Ne me posez pas vos questions qui n'ont pas un sens avec ce que je suis en train de dire. Ce qui va vous bloquer. Voilà. J'étais fatiguée. J'ai dit qu'il faut que je ne te voie. Je dois voir la fille avec de mes yeux. J'arrive. Je demande qu'elle indique-moi ta maison. Je lui disais, je voulais seulement qu'elle vienne changer. Je voulais changer sur le numéro Orange Money. Je voulais qu'on change de nom. Je mets maintenant mon nom. Parce que c'était son nom qui était dessus depuis. J'arrive jusqu'à devant chez elle. Elle me regarde comme ça. Une petite fille de 27 ans. Hein. Et quand je la vois, j'appelle Juju. Je dis que Juju, pourquoi la fille se comporte comme ça? Il doit avoir quelque chose. Ah, le roi m'a jamais mis mon introduction sur sa page. Je ne savais même pas. Il dit qu'il doit avoir quelque chose dessus. Et j'appelle Juju. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la petite fille ici? Juju me dépassait peut-être d'un ou de deux ans. La petite fille était notre petite soeur de loin. Juju me dit, ah, vraiment? Et Juju était toujours vraiment, il faut laisser. Tu es vraiment? Je pars chez Juju. Heureusement, Juju m'a donné sa carte d'identité. Je suis parti à Orange. J'ai donné, ils ont changé. Après ça, j'ai remis son truc. Juju m'appelle, elle vient me voir à l'agence. Je lui donne les relevés, je lui dis, mais regarde, je ne comprends pas. Ouais, vraiment, laisse, je vais lui parler. Oui. Oui, le ciel a changé depuis le passage de ta belle-mère. C'est que la gangrène est déjà entrée. On a mis le sable dans ton tapioca. Il faut changer de tapioca. Verse le tapioca, là, tu peux acheter l'autre. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Quand quelqu'un a été contaminé, c'est mort. C'est comme la gangrène, il faut couper. Je suis très radical dans mes choses.
Salut mes amis africains. José, c'est quoi? C'est quoi ça? Tu me traites d'africaine. Hein, José? Attends, il te bloque. Ne crois pas que tu as besoin de mon direct. Oui, tu bêtises. Mes amis africains. Ce n'est même pas elle, je suis. Pardon, attendez, bloque la personne si on continue nos choses. Je regarde. En passant, quand vous commentez, il y a beaucoup de... Je sais pas, les gens qui... Les scammers, tradis praticiens, ils vont vous écrire. Ce n'est pas moi. J'ai un seul compte. Ils savaient que pendant encore 2 mois dans cette ville, quand la petite est partie, je prends les relevés, je vois comment elle se servait. Pendant au moins 6 semaines, elle se servait dans le compte. Je lui dis que non. Tu ne connais pas un commissaire Isla à qui je peux porter plainte contre la fille? Juju me dit, non. Vraiment, il faut laisser. Hein. Oh. Oh. Elle a fait ça sur 3 de mes employés. Je laisse. Un jour, le prochain encore, il vole. Quand le prochain partait, en partant, il me dit, madame, c'est votre amie ici. Elle m'a dit que vous utilisez les gens. Après, vous les jetez. Que si je ne vole pas ma part, c'est que vous allez me chasser bientôt. Il faut que je vole ma part tant que j'ai encore la possibilité. Écoutez bien. C'est une émotion que je ne comprenais pas donc. Juju, mes employés t'ont fait quoi? Jusqu'à tu viens dire aux jeunes enfants, Dieu m'a donné cette capacité-là. Si vous arrivez chez moi à Douala, vous allez voir que mes employés sont que les jeunes. Ils sont que les jeunes. Et les jeunes sont facilement détournables. Et tu vois quand quelqu'un vient, je suis la sœur de la reine. Ils vont se dire qu'elle a raison, non? Nathalie, tu ris. La reine lui fait confiance. Quand je remonte en arrière, j'essaie de détecter. C'était comme un venin que Juju passait à mes employés. C'était comme un venin. Que Hippopo Juju, hey, Seigneur. Si vous ne faites pas attention, apprenez à détecter les attaques spirituelles très tôt. Et la jalousie vient souvent sous la forme que quelqu'un te voit. Voilà un peu les signes. Quand tu as une trop bonne nouvelle, en annonçant souvent à la personne, vois sa réaction. Oh, maman, j'ai mon visa pour le Canada. Tu m'as pas dit que tu faisais les papiers pour le Canada, pourquoi? Ne parle plus avec la personne là. J'ai 10 000 abonnés. C'est bien. C'est bien. Ah, la femme du premier ministre, elle m'a appelé. Elle veut acheter un de mes kits. Il faut faire attention. Hein. On m'a dit que les gens là, vraiment, ils sont compliqués. Vraiment. Vous êtes énergie. On a l'énergie sur nous. N'ignorez pas les choses là. Je me rappelle très bien. J'étais assise dans dans un café, dans la ville là. À
avant d'ouvrir le local là-bas, j'étais en train de réfléchir. J'ai appelé un de mes collaborateurs, que lui-même il s'est avéré être un esso là aussi encore. J'étais au téléphone avec lui comme ça, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, quelque chose m'empêche de me donner vraiment dans cette collaboration avec cette femme. Je ne sais pas, mais un mois plus tard, quand j'ai découvert, je me suis rappelé. Je comprends pourquoi j'avais toujours un frein par rapport à cette personne. Tu veux le kit déblocage? Oui, on est en face de l'hôtel de lui. Le local est en face de l'hôtel de lui. Face hôtel de lui. Quand vous rentrez en arrière, vous allez voir que il y avait un signe, des signes que vous avez ignorés. Maintenant, sachez aussi que vos anges, dans la bataille, il y a les entités négatives. Et je viens aussi préciser, on me dit que parfois tu peux commencer avec quelqu'un, il est bien, mais la personne n'est pas fort. Il est bien, mais il n'est pas fort. Donc l'ennemi entre dans lui. Parfois tu peux commencer avec quelqu'un, vous commencez ensemble. Il a peut-être son business dans une ville, toi tu n'as pas dans une autre ville. Ta part commence à marcher. Hôtel de lui, non. Prends le numéro de téléphone. 07 074. Prends le numéro. Prenez les numéros. Je vais donner les numéros bientôt. Prenez de quoi noter. Mon numéro est dans la bio aussi. Donc, la personne voit comment t'as pas. Vous commencez TikTok ensemble. Oui. Chaque soir, vous êtes sur TikTok. Vous êtes là, vous essayez. Vous essayez. Hein? Tu essayes comme ça là. Que vraiment, regarde, j'ai fait ma première vidéo. La personne dit, ah, moi aussi j'ai fait. Vous faites, vous postez. Il poste, tu postes. Il poste, tu postes. Après, ta part commence à marcher. Le coup de girofle. Attends, il te bloque. Vous venez me poser des questions qui n'ont pas de travers ce que je parle. Je vous bloque. Je vous bloque. J'aime bloquer. Oh. J'ai le doigt facile. Attendez, il vous bloque. Quand ta part commence à marcher pour la personne ne marche pas, tu te rends donc compte que si la personne n'est pas forte, l'espace va s'ouvrir, l'ennemi va entrer. Numéro pour tous les pays, 00237 693 50 22 66 693 50 22 66. Gabon 074 18 00 80. Voilà les deux numéros. Peu importe le pays, tu écris à ce numéro-là. 237 6 93 50 22 66. C'est pour ça que beaucoup de personnes autour de vous ne sont pas prêtes pour que vous avancez, que vous montez. Ta réussite va révéler le vrai caractère des gens, ce qui était vraiment dans leur cœur par rapport à toi. Attends que la personne apprenne que tu t'es marié. Attends que la personne apprenne que tu as acheté une voiture. C'est là que tu vas confirmer. Et écoutez beaucoup votre intuition. Il y a des gens parfois que tu restes comme ça, tu n'as même pas envie de l'appeler. Parfois ton corps fuit un endroit, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais que tu vas partir là-bas, mais tu es à la maison, tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Pose-toi la question, mais je tourne comme ça pourquoi? Ah, je suis censé partir voir telle personne. Ton subconscient est en train de te montrer que la personne là est toi.
Donc l'ennemi va entrer à travers ces voies subtiles. Il y a aussi la déception, le tapé d'eau. J'ai eu récemment une femme qui est venue, elle m'a visité au Cameroun. Quand elle arrive, j'ai mon papa, vous avez déjà sûrement vu, j'ai un papa avec lequel je travaille. Je mets des gens à sa disposition. Elle refuse, donc, quand vous arrivez jamais au Cameroun, je mets les gens à votre disposition. Et vous ai déjà dit, c'est pas parce que tu es venu chez moi que tu vas me voir. Tu vois comment Zintaka a dit là avec lui. Je l'appelle, je lui demande que, est-ce qu'on fait comme ça? Je ne te donne aucune explication, de toutes les façons, je ne vais pas m'excuser. Je dis, waouh. Pourtant, tu te l'as direct ici tous les jours. Ma reine, oui, il y a eu ça. Je dis tout que je n'oublie pas d'où tu viens. Je connais le travail qu'elle fait sur toi. Maintenant, si tu dois transitionner, aller ailleurs, ça ne me dérange pas. Je ne t'ai pas couché, je ne t'ai pas connu quand tu avais 1 an ou 0 an. Tu es arrivé à moi. C'est là que son vrai visage est sorti comme ça. J'ai dit, mais les gens ne comprennent pas. Les tapés d'eau font mal. Quand quelqu'un te trahit, hein, et la trahison, ce n'est même pas genre ton mari va-tu te tromper. Non. La trahison, c'est genre quand tu vois quelqu'un faire quelque chose derrière toi. Tu ressens l'énergie. Écoutez, hein, tout ce que vous voyez sur la terre est contrôlé par des entités. Il y a des énergies. Il y a des égrégores. L'autre parlait que ça, depuis que sa belle-mère est venue chez elle, ça déménageait et bizarre. Celui que la belle-mère est venue, elle s'est assise, elle a décortiqué ton nom. Comment ça, dire que tu lui manques, tu la respectes comme ça, pourquoi? Eh, pardon. Hein? Ce sont des attaques spirituelles. L'ennemi connaît parfois que tu es censé réussir dans tel domaine. Avant d'avoir plusieurs consultants, depuis l'année passée, je sais. Quand j'ai commencé la fessier 2021, je savais que je ne peux pas tenir ça seul. 2022, Dieu m'a amené des personnes. Tu vois, dès que la personne commence à travailler sur une, deux personnes, il commence à faire comme ça là. Mais elle, c'est vraiment pour qui? Ce qu'elle fait là, je peux faire. Il dit, n'oublie pas. Non, tu... Ces personnes-là sont parties. Ça m'a fait mal. Il les a laissées partir. Après, donc, avant que je n'aie des personnes aujourd'hui qui sont stables, assises émotionnellement d'abord, et qui sont justes et loyales, j'ai traversé d'abord beaucoup. Tu vas traverser beaucoup de décepticons. L'ennemi connaît que le domaine dans lequel tu vas réussir, c'est là-bas qu'il va t'attaquer le plus. Tu ouvres le salon avec ta copine comme ça. Quand tu n'es pas là, tous les clients qui travaillent ne te disent pas. Toi, quand tu fais ta part, tu mets la liste, tout est clair. Que non, j'ai fait 2500 et c'est là, 1500. Oui, 15 000, 20 000, 30 000. Tu as un contrat quelque part, tu lui donnes. C'est même la cliente qu'elle avait coiffée. Elle ne t'a pas donné ta part d'argent sur la cliente là. La cliente là revient l'autre jour et te dit que oui, j'étais ici là, ça fait 2 semaines. J'ai dépensé 300 000 dans votre salon. Le gourmand magistral de ça, comment pour payer le loyer de 45 000 là, elle pleurait qu'on n'a pas l'argent alors que tu as de 300 000. Oui, j'ai acheté les produits, j'ai envoyé à ma soeur qui est aux États-Unis. Et quand elle est venue ici, je l'ai amenée ici le jour-là. Elle a pris une belle greffe. Elle a fait ça. Tu ressens ça. L'ennemi va attaquer avec les gourmands. Tu as une employée comme ça, là. Tu lui faisais confiance. Elle vient et prend ton carnet d'adresse avec toutes tes clientes. Toutes tes clientes. Et pas.
Et quand elle passe, le genre, elle te fait la concurrence que tu vas voir. On m'a parlé même dans l'autre Gabon comme ça. Il quitte son employeur. Voilà. Celui qui m'a raconté ça me dit que j'ai un coiffeur. Un jour, un monsieur est venu se coiffer chez lui, chez moi. Il le voit, il appelle par derrière, il parle avec lui. Le monsieur le prend de mon salon parce qu'il coiffait bien. Il le prend de mon salon. Il part ailleurs dans la même ville. Il ouvre. Hein? Et en ouvrant ça, là, le coiffeur me dit, mais donc, c'est un coiffeur que c'est lui qui l'a accueilli dans le pays. Il a logé pendant que le gars faisait ses papiers. Parce qu'au Gabon, tu ne peux pas travailler sans carte de séjour. Tout, c'est lui qui a fait. Quand le gars a eu la possibilité de travailler légalement maintenant, il est parti. Il est parti. Le monsieur qui l'a débauché de là, le prend maintenant, il le met. Le monsieur ne savait pas que sa correction arrive. Là, voilà, il bosse, il bosse. Le coiffeur là a ramassé tous les clients du monsieur. Vous savez là où il a ouvert son salon? À l'étage. Ah! Il a cherché le local à l'étage. Donc tu es en bas. Je coiffais en bas. Hein? Il peut ouvrir sa part en haut. Quand mon ami l'a appris ça, il a seulement ri. Il a seulement. Il fait. Le temps de porter plainte pour concurrence déloyale. Le temps de faire gna 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 gna. Tu as récolté ce que tu as semé. Voilà. Ex-belle-sœur et une autre dame de ton salon. L'ennemi, écoutez, hein, tout ce qui te fait mal. Donc ça te pique jusqu'à ce que tu dis que. Ah! Tu es sur ton lit à 3 heures, tu ne penses qu'à ça. C'est une attaque spirituelle. C'est pour ça que je ne blague pas avec mes clients et mes employés. Je leur dis toujours, si je reste, je pense à toi à 3 heures et que tu es mon employé. Si tu es une cliente, je suis sur mon lit à 3 heures, au lieu de toucher mon chocolat, je suis plutôt en train de penser à toi et j'ai les douleurs. Il est temps que toi et moi se séparent. Si tu viens d'entrer dans mon direct, tu m'écoutes. Si après 3 minutes, ce que je dis ne t'intéresse pas, tu peux zapper, tu vas ailleurs. Bonjour à qui que ce soit qui vient d'arriver. Quand tu as une salle, les gens sont en train de parler. Tu t'assois, non? Tu t'assois derrière, même pas devant. Tu écoutes. Donc l'ennemi va passer par des stratégies. L'ennemi est très subtil. Parfois, vous pensez que l'attaque spirituelle, c'est seulement... Il y a une qui m'a dit récemment. Elle rencontre son gars... Le gars est là construit. Il est entré dans les finalisations de son immeuble. La sœur du gars vit dans la même ville que la fiancée. Et lui, il est de l'autre côté. Il est à l'étranger. La sœur Wanda Kemes. Pourquoi il aime trop, hein? Il lui demande l'opinion sur tel truc. On met quelle couleur de carreau à la maison? Tu veux qu'on fasse comment comme ça? Jalousie commence. Belle sœur qui est mariée, hein? Mariée avec son... Elle a de sa vie. Il fait tel comme il envoie l'argent chez sa fiancée. C'est elle qui parle maintenant de nos travailleurs. Après un moment, la belle se commence à dire, c'est moi qui dois même faire ça. Hein. Elle laisse ses enfants, son mari, pour voyager, pour aller faire le travail. Deuxième chose, il envoie l'argent que donne, prends ta part, tu donnes pour ma fiancée. Elle ouvre son business. Belle sœur prend l'argent de toi et s'assoit sur ça. Il dit à la fille que si tu étais vigilante, tu aurais vu depuis. Il y a les petits trucs qu'elle t'affichait déjà. Belle sœur ou belle mère qui veut tous tes habits là. Mauvais signe. Voilà les signes des gens qui t'envient inconsciemment. Les gens qui t'imitent. Elle voit ton téléphone. Tu as acheté la coque de ton téléphone là-haut. Je veux la perruque comme pour toi là. Non, c'est tes lunettes que je veux. Tu vois comment ça me va, non? Hein? C'est bien que c'est moi, non?
Je ne mâche plus mes mots avec ma belle famille. Ton ancien juju, ta mère a accouché après, elle a encore remis l'autre dans son ventre, que mon ancien juju. Toute personne qui est autour de toi, donne-moi ça. Je vais m'apparaître pour toi. Premier signe à fuir. Même maillot de bain piscine, chai. Même modèle de robe, même couleur, même maillot de bain, pardon, tu fuis. Tu te coiffes, tu vois la personne pas faire sa part de coiffure comme pour toi, la semaine qui suit. Voilà les signes, Dieu te montre déjà tes signes. Ami Dele, mon numéro est sur la page. Plus 237 693 50 22 66. Plus 237 693 50 22 66. Voilà mon numéro. Ou bien tu cherches, tu veux mon numéro, tu vas l'avoir quand même, non? Faut fouiller. Voilà, quand tu t'habillais le lendemain, ton ex-belle-sœur portait la même chose. Très dangereux. Parfois, tu vois les commentaires qu'elle fait. Tu sens comme si elle veut t'attaquer. Et le truc, c'est que les hommes sont tellement influençables. C'est rare que l'homme t'indexe directement. Mais sa sœur peut passer par lui. L'homme est tellement manipulable. Ou sa mère. On doit avoir les mêmes choses. Ta collègue te fatigue avec les mauvais. Maman, si ta collègue fait les mêmes coiffures que toi, il faut faire attention. Faites très attention. C'est 66 à la fin. 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Que ton... Oh, mon frère te nourrit bien. Hein. Quand ton mari voyage un peu, tu fais 2 ou 3 jours. Ton mari commence à parler avec une autre personne, peut-être sa soeur, sa mère. Tu vas sentir leur esprit à travers lui. Ta tante obligeait son grand frère à acheter le même habit qu'il achète à sa soeur, à sa femme. Merci pour les roses. Vous aviez un projet, il faut qu'on achète le terrain. Il rentre, il ne te parle plus du terrain. Il ne te parle plus du terrain. Après, tu vois juste sa soeur arrive. Oui. Elle ne te dit même pas. Hein. Et les belles soeurs aiment trop ça. Faire les coups avec vos maris sans que vos maris ne sachent, sans que toi tu ne saches. Marlène, arrête de m'écrire. Je te parle, tu frissonnes. Et puis quoi? Je danse? On danse? Dansons. Quand je parle, elle frissonne. Dansons. C'est bon, j'ai dansé, c'est bon? J'ai dansé, c'est bon? J'ai dansé, c'est bon maintenant? Quand tu parles, je frissonne. J'ai dansé, ça va? Voilà. Continuons maintenant. Je peux parler? Nathaniel, tu sors d'où? On va danser, on va danser, on va danser, on va danser. C'était la pause des riz. On a ri, non? Ah! Amber a aussi dansé, tu es contente. Amber a dansé pour toi. Coco, tu m'as déjà parlé pour TikTok fatigué. Que quand je dors, mes yeux se ferment. Ça veut dire quoi? Arrête, quand je dors, mes yeux se ferment. Ça veut dire quoi? Vous voulez quoi sur TikTok? Ah!
Ma reine, quand je dors, mes yeux se ferment. Ça veut dire quoi? Celui qui a créé TikTok, ma belle, c'est comment? Que vous avez fait. Emmanuel, bonjour. Allez, tu bonjour. Tu as aimé la danse du frisson, hein? Je sais que depuis que vous êtes né, vous pensez que, comme moi, je n'ai pas l'argent, je suis rien. Qui peut vouloir me déranger? Qui peut me détester? Qui peut être jaloux de moi? Il y a des personnes que tant que vous n'êtes même pas enterré, ils n'auront pas la paix. Oui. Merci pour la protection. Donc, le fait de savoir que tu as envie. Et que tes projets avancent, ça les énerve. Et parfois, quand tu écoutes leur raisonnement, hein, tu crois que quand mon frère t'a épousé, il n'avait pas de famille, tu viens maintenant, tu veux que l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit qu'il va prendre son père et sa mère, il va mettre dans la maison avec sa femme. C'est pas de ma faute si mon mari m'aime. C'est pas de ma faute si. Tu sais qu'il y a les femmes que quand tu arrives, tu vois moi son mari la traite, ça t'énerve. Pourquoi il aime comme ça? Et c'est pour ça que même les séjours chez vous là, évitez. Les gens qui viennent chez vous, restez là. Il y a l'hôtel. Sacrifiez-vous, vous payez la moitié de l'hôtel, ils payent l'autre moitié. Sinon, pas l'argent qui ne viennent pas. Tu n'as pas l'argent, tu veux venir chez moi, pourquoi? Hein? Why? Why do you want to come in? Pourquoi tu veux venir? Doris, bonjour. Bonjour, maman Didi. Je ne sais pas qui est maman Didi. Pourquoi? La personne arrive. Vois comment le matin ton mari se réveille. Tu as déjà mangé, chérie. C'est ton mari qui te demande. Ce n'est même pas toi qui demande à ton mari. Tu sens dans le regard de la personne. Oh, je ne sais même pas comment vous dire ça. Après, il vient. Ah, ton mari t'aimait. Waouh. Je ne veux même pas que vous voyez. Ne voyez pas mon bonheur. Ne voyez pas. Croyez que je suis malheureuse. Mon mari me tape. Mon mari, je suis malheureuse. OK? OK? Je suis malheureuse. Oui, mon mari ne m'aime même pas. Non, non. Je suis malheureuse. Et vous, si vous savez qu'il y a les femmes ici dehors, que leur mari est dans l'autre, elle est comme le bébé. La jalousie va commencer. Donc, évitez que ces personnes voient votre bonheur. Éviter. Bonheur, malheur. Ok, j'ai le malheur, je te dis. Parce que de toutes les façons, c'est pas comme si personne. Je vous ai dit que mon anniversaire est passé, vous m'avez donné de l'argent. Quand j'ai des événements, vous m'avez donné de l'argent. Donc quand j'ai le malheur, tu ne me donnes rien. Quand j'ai le bonheur,
tu ne me donnes rien. Je te dis alors pourquoi. On est là, va à Makepe. On ouvre à 7h30. Aujourd'hui, on ne parle pas de mari jaloux. On parle des relations qui sont harmonieuses. Il y a la paix entre vous. Ok. Donc, l'ennemi va passer par ces personnes. Et vous devez savoir que, à tout moment, quand tu as cette réaction de quelqu'un, le but, c'est de t'irriter. Le but, c'est que tu te fâches. Et quand tu te fâches, tu perds ta connexion. Tu perds ta connexion avec l'énergie positive. Il y a la paix, on mange le chocolat, on peuple la terre. Monsieur Nathaniel, il sait que tu aimes manger le chocolat. Il sait que tu as beaucoup d'enfants. Donc, le but de l'ennemi sur toi, et il ne s'attaque qu'aux personnes qui ont le potentiel, les personnes qui ont un bon cœur, les personnes qui savent que si la personne s'y a demain, elle va aider beaucoup de personnes. Oui. Si la femme s'y a demain, elle va aider beaucoup de personnes. La femme s'y a, elle a appelé à toucher beaucoup de personnes. Vous savez qu'on ne touche pas seulement avec la visibilité en ligne, non. Il y en a parmi vous dans votre quartier. Vous avez une bonne réputation. Quelqu'un a son deuil comme ça, tu pars, tu l'aides, tu aides, tu organises le mariage, tu es là. Mais on dit, mince, tu aides. Tu as une bonne réputation. Les gens t'aiment. L'ennemi va venir attaquer ce genre de personnes. Parce qu'il connaît. Écoutez, le rôle de l'agent de lumière, c'est chaque jour de toucher au moins une personne. Genre, aujourd'hui, comme ça, dans ton quartier, tu as même peut-être acheté des bonbons. Acheter des bonbons sifflés, là. Tu passes, tu donnes à... Tu choisis même 30 boutiques, tu leur donnes un paquet de bonbons sifflés. Tu es en train de faire du bien. Je me suis dit, non. Faire le bien, c'est pas seulement de... Je vais faire une petite pause pour vous parler de quelque chose. On est en train de faire les dons aux orphelins ces derniers jours. Je vous ai dit qu'à partir du 19, je voulais faire ça le week-end-ci là, mais je crois que peut-être à partir de samedi, on va... Il faut avoir l'huile de ricin chez vous, s'il vous plaît. L'huile de ricin est très bon. C'est un anti-inflammatoire, beaucoup de choses. Donc, quand vous faites les dons, je vous ai dit comment je m'organise pour faire les dons. Avant, je travaillais avec un seul orphelinat. Je me suis rendu compte que j'avais trop de personnes qui donnaient pour que je me focalise seulement sur un orphelinat. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je ne suis plus marraine d'un seul orphelinat. C'est pour ça qu'il y a des personnes que quand vous voulez faire les dons, je vous dis, donnez chez nous et puis on vous donne le montant de la cagnotte. Je crois qu'on est à 1 900 000. Mais je maintiens toujours Cœur de Jésus en priorité parce que je vous ai parlé du projet de construction de leur immeuble. L'orphelinat Cœur de Jésus qui est à Bangui. Donc, quand vous décidez de faire un don pour les orphelins, je vous en prie, parlez dessus. Bénissez ce don. Que ça aide les enfants à qui on va donner. N'attendez pas forcément. Okay, parce que j'ai remarqué ça dans 2 ou 3 orphelinats où j'étais partie la dernière fois. À la rentrée, nous sommes allés dans les orphelinats. Décembre, on va le faire. Avril, on va le faire. Et juin, avant les vacances. Normalement, on fait 4 fois par an. Mais mensuellement, quand vous envoyez les dons, on dispatch, on envoie. Voilà. Mais il y a des grandes cérémonies auxquelles on part. Ok. Donc, j'ai remarqué dans quelques orphelinats qu'ils avaient une attitude de genre... Il y a des gens qui viennent donner aux orphelins comme s'ils sont leur Dieu. Si quelqu'un me suit, je vous en prie, je veux vraiment clarifier ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as fait un don à l'orphelinat que moi je vais t'aimer plus.
Tu es en train de chercher tes bénédictions avec Dieu. C'est une transaction entre toi et l'univers. Pas entre toi et moi. Même ta dîme, c'est entre toi et l'univers. Pardon. Donc, si tu passes pour les dons peut-être des orphelins, tu passes peut-être par The Gift Giving Academy, ou tu passes toi-même dans... Vous avez des orphelinats, hein? je ne suis pas la seule personne. Il y en a, mais je manque, va donner. Parfois, quand je vois les enfants font ça dans l'orphelinat, ça m'énerve. Je leur dis non. Oh, merci de nous avoir donné ceci. Merci, vraiment, merci. Nous, vraiment, on n'avait pas, vous avez donné. Quand je pars, quand c'est moi qui pars physiquement aux orphelinats, j'encourage tous les enfants. Je leur dis non. Vous n'êtes pas des pauvres orphelins. Ok? Vous n'êtes pas pauvres, démunis, abandonnés. Non. Donc, je pense que je suis en train de finaliser. Ceux qui voudront, vous allez faire du bénévolat dans mon association. Ça s'appelle Leaders. Donc, je crois que j'aurai tous les documents bientôt. Donc, j'ai créé une nouvelle association qui a pour but d'édifier la jeunesse. Donc, ceux qui voudront, quand vous avez du temps, je voudrais prendre des bénévoles. Donc, on va organiser pour aller dans les écoles, pour encourager les enfants. Je veux réveiller les leaders qui se trouvent dans les enfants, dans les jeunes. Je cible les jeunes. Donc, j'ai besoin de bénévoles pour l'association. Donc, Leaders aussi fera des dons et tout ça là. Mais, parce que quand tout ce que j'ai commencé à faire dans les orphelinats et tout ça, je me rends compte qu'à part la nourriture, je veux qu'il y ait quelque chose de... Comment on dit ça? I want to build their core. Je veux construire le squelette de leur esprit. Oui, Leaders sera aussi à Yaoundé. En septembre, on a fait des dons à Bafoussam et à Douala. Donc, je vais étendre ça à Yaoundé, même à Libreville. Donc, quand vous avez du temps, on fera des t-shirts. Vous-même, vous payez vos t-shirts. Moi, ils donnent moi des. Vous venez, vous au contraire, on aura besoin d'argent dans la caisse. Parce qu'il faudra payer les déplacements, les choses comme ça. Les cahiers de vision que j'ai fait, si, je vais imprimer une version qui sera version des bénévoles. Parce que celle-ci que j'imprime pour vendre, ça coûte un peu plus d'argent. Donc, je verrai comment on peut faire une version moins chère qu'on donnera, qu'on partira dans les orphelinats. Maintenant. Le but, c'est d'aider les enfants. J'ai commencé ce projet en 2019. Quand j'ai commencé à enseigner, je commençais à Cœur de Jésus. Oui, donc quand vous arrivez, même si vous avez une seule semaine au pays, vous pouvez venir pendant une journée. Vous donnez du temps et puis on y va. On va dans les écoles, les lycées. Je pense qu'on touche cela d'abord. Et puis les orphelinats. Donc, le but, c'est vraiment de permettre aux enfants d'avoir une vision. Et je ne vais pas vous mentir, quand je commençais avec les enfants, il y a une chose qui m'avait touchée quand je partais à l'orphelinat et qui m'avait marqué. Vos enfants qui vivent chez vous, ils ont une photo. Oh my God, j'aime quand ça me plaît comme ça. Je crois que c'est un projet qu'on va faire pour décembre aussi. Tous les orphelinats dans lesquels on partira, je vais faire qu'on filme les enfants, on encadre et on met ça dans les orphelinats. Je m'étais rendu compte que les enfants n'ont pas de photo d'eux. Tu sais ce que ça fait à un enfant d'avoir la photo de sa photo sur le mur de la maison de sa mère ou de son père? Il faut que j'écrive ça. On doit faire ça ce décembre aussi. Ça va être notre cadeau de Noël pour les enfants là. Leur photo. Photo encadrée. Donc à partir de lundi de la semaine prochaine, si vous avez du temps au Cameroun, vous venez, on va partir, on ira dans les orphelinats. Donc à partir de lundi, vous ne serez pas forcément avec moi parce que j'ai toute une équipe pour ça. Donc le but sera qu'on les filme, on encadre, et je voudrais que chacun de ces enfants ait sa photo mentalement. Parce que quand je partais en 2019, dans mon cahier, le cahier de vision, la première page du cahier de vision, normalement on est censé mettre la photo de l'enfant là-bas. J'avais remarqué que quand je travaillais avec les orphelins, à chaque fois qu'ils ouvraient leur cahier, tu vois qu'ils ouvrent la première page, ils voient sa photo. Il y avait un là qui est autiste. Si vous avez remarqué à Cœur de Jésus, il s'appelle David, je pense. Il est autiste. Et quand à chaque fois qu'il ouvrait son truc, il disait comme ça, un. Il y avait un truc. Il sait que c'est lui. Mais le fait de se voir dans le... Je ne sais pas. Il y a un truc dans ça. Il y a une puissance. Un truc. Il y a un truc dans le truc. Ok? Bon. Vous avez compris. Oui, je pense qu'on va faire ça
ce décembre aussi. Donc, et on a une imprimante à Douala. Je crois que quand on passe sur place, on peut partir avec l'imprimante. On les filme, on divise, on prend une fois les cadres. Ça, c'est possible. J'aime les projets comme ça me plaît. Et puis, s'il y a des femmes, si vous avez du temps, on peut aussi, pour l'occasion des fêtes, on vous dispatche. Et puis, je suis en train de parler comme ça, mais vous êtes très ingrat, hein, je vous assure. Je dirais même égoïste. Prenez une journée, je vous en prie. On va mettre ça à samedi 23. Vous suivez? Si vous avez du temps, écrivez aussi à mes secrétaires, vous dites Douala, Yaoundé, Bafoussam. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Vous organisez et vous partez. Parce qu'il y a des cadeaux qu'on va donner, on va vous envoyer, vous allez acheter, vous partirez avec sur place. Mais le projet des photos aussi. Oh, purée. Lulu, on parle des orphelins, tu me parles de ton anniversaire. J'ai rien à foutre de ton anniversaire. C'est ça que je vous ai dit, vous êtes très égoïste. Tu me suis? Égoïste? Pourquoi vous faites ça? L'être humain est tellement. Donc, pour 5 minutes, les gens ne peuvent pas se laisser et regarder sincèrement l'autre personne. Pourquoi? Je suis en train de parler d'un projet. Je vais te bloquer, Lulu. Je vais te bloquer. Voilà. Donc, 23 décembre, ceux qui ont du temps, vous écrivez. Vous allez voir, il y aura 3 personnes qui vont écrire. 3 personnes. Je vous connais. 3 personnes. Vous n'avez pas compris l'essence. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, bénis-moi. Il te bénit pour que tu fasses quoi avec? Dieu va te bénir pour que tu fasses quoi avec? Tu vas acheter ta voiture, tes chaussures. Seigneur, je ne voulais pas que la femme s'y sorte pour parler. Il y a une autre femme qui a pris la place dans ma tête maintenant. Même si vous êtes dans une ville que je n'ai pas citée, vous me dites, je crois qu'il y a l'orphelinat dans votre ville. Peux arriver dans un pays, tu ne connais personne là-bas. Et c'est quand vous arrivez en Europe, pardon, je veux mes papiers, après je veux travailler, après je veux la maison, après je veux la voiture comme tout le monde. Si tu arrives, tu n'as pas de papiers, hein? Écoute-moi bien, tu n'as pas de papiers. Tu vas, tu demandes où se trouvent 2 orphelinats, au Canada, en Belgique, je ne sais pas. Je veux faire du bénévolat. J'ai 2 heures par semaine à vous consacrer. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Hein? Et j'ai remarqué que tout ce que tu poursuis, ça te fuit. Comme Fali a dit que je te fuis, tu me suis. Je me suis rendu compte que les parents ont élevé les enfants aujourd'hui sans leur montrer comment faire quelque chose pour l'autre personne. Sans faire donc, tu ne peux pas prendre ton temps. Prends un peu de ton temps, tu pars, tu donnes. La personne dit que non, tu es sûr. Non, oui, je suis très sûr, ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas de t'aider. Ça ne me dérange pas de t'aider. Donc, je vous ai dit, si vous êtes intéressé, vous écrivez à mon standard. Dans ma bio de TikTok, il y a mon numéro. Les gens aiment les prières pour se délivrer. Vous ne savez pas qu'il y a des actes qui délivrent. Vous saviez ça, non? Il y a des actes. Vu que tu restes comme ça, là, tu as mal dormi la nuit, non? Ok. Lève-toi, tu pars dans la journée là, tu aides même à laver 3 orphelins. Tu connais coiffer, non? Va tresser le cheveu le dimanche. Va t'asseoir, tu les coiffes. Prends la tondeuse, tu fais zzzz. Non, ils vont me payer combien? De nos jours.
C'est fou, je n'ai pas appris tout ça en Afrique, mais quand je suis arrivée chez les Blancs, j'ai vu les Blancs qui sont, ils sont selfless. Donc, tu vois un Blanc qui... Tu demandes que tu fais quoi dans la vie? Il dit non, je travaille pour la Croix-Rouge. I work for the British Red Cross. Oui. Deux fois par semaine, il part. Il fait du bénévolat. Il aide les enfants peut-être à tricoter. Je ne sais pas trop quoi. Et quand tu fais comme ça, la main que l'ennemi avait sur toi, il enlève. C'est bête ce que je dis. Hein. Ça n'a pas de sens pour vous. Mais je vous donne des armes spirituelles. Je vous donne des armes spirituelles. C'est que vous aimez les astuces. Tu m'apprécies bien. Hein. J'en ai rien à foutre de ton appréciation. I don't care. I don't give a F. Un jour, je travaille sur une jeune fille. Elle était possédée. L'esprit en elle l'a dit. C'est les bonnes œuvres de sa mère qui la sauvent. I'm sure he didn't even get that. So. L'esprit dit que c'est sa mère, elle aide tous les gens. C'est ça qui nous bloque. Pourquoi on n'agisse pas totalement dans la vie de sa fille? Vous me suivez? Vous aimez quand vous dites, mais prends le sel avec le jujube, tu mets avec le clou de girofle. Lève-toi, tu peux aider quelqu'un. Tu me suis? Lève-toi, va aider quelqu'un. Il y avait une astuce. Astuce. Mes astuces sont payantes. Oui, j'ai fait le jeu. J'ai mis le laurier avec le ceci, avec le ceci, avec le ceci, avec le ceci. Lève-toi. Va aider quelqu'un cette fin d'année. J'ai commencé à donner mon temps. Il y a de cela, c'était en 2015. J'ai commencé en 2015. C'est devenu un mode de vie pour moi. I can't do without it. Je faisais avoir la traduction à l'église. Je traduisais gratuitement. Ça m'essoufflait. Parce que vous voyez, beaucoup de Français, ils arrivaient en Angleterre, dans notre église. Il ne comprenait pas quand le pasteur prêchait. Il était comme ça. Il dit, I'm going to translate. Jesus is Lord. It was so hectic. 4 hours straight, translating. Après ça, j'ai fait 6 mois de bénévolat à l'église, comme secrétaire. I cook for my employees. I cook, je prépare pour mes employés. Je dis que je m'assois, je prépare. Je sais. Eux-mêmes, ils connaissent. Ils écoutent mon direct. Ils ne manquent pas. Donc, je sens que je vais faire un bon dîner avec eux. S'ils écoutent ça, ils seront contents jusqu'à. On va préparer un bon dîner. On vous invite pas, je mange avec mes employés. C'est ma famille là-bas. J'aime mes employés plus que mes clients. Hein. Parce que je sais que mes employés ne me lâchent pas. Mes clients là, les clienticones, vous faites comme ça là. Un coup tu viens, après un coup tu fuis. Tu viens, tu me parles mal de mon employé, moi je te chasse. Oui. Même si tu dis là tort, je te demande d'abord, après il pas demander que tu as fait comment avec la personne là. Oui. C'est comme ça. Donc, on a mis ça pour le 23 décembre. Donc, quand vous allez contacter le standard, vous dites que vous voulez participer au projet des orphelinats pour Noël.
On a mis la date pour le 23. Peu importe le pays où vous êtes. Peu importe le pays où vous êtes. Quand on parle de loyauté des employés, par exemple, j'ai un employé que j'ai eu une fois. Il avait 22 ans. Je l'ai pris. Sa maman est venue, non. Signalez-vous si vous avez venu le 23, vous vous signalez à l'avance. Et je ne prends pas les spectateurs, donc ne venez pas pour regarder. Vous me connaissez. Je n'aime pas les protocoles, je ne prends pas les spectateurs. Si vous avez venu vous mettre comme ça, ne venez pas. Moi, c'est comme ça que je fais mes choses. Donc, ce jeune homme-ci-là, je travaillais sur les gens. J'étais en train de laver les gens en novembre de l'année passée. Donc, sa maman arrive. Elle voit. Et quand je priais pour le jeune homme, l'esprit me dit, il faut qu'il travaille avec toi. Et tu ne peux pas être au Cameroun. Donc dans le pays où tu es, il n'y a pas les orphelinats. Hé, Angela. Angela, tu es sur la lune. Voilà vos excuses à la con. Et ça m'a envoyé. Dans le Turquie, il n'y a pas les orphelinats. Le moyen pour te connecter avec le pays où tu te trouves, cherche les orphelins. Je viens de parler, c'est là, j'ai bavardé. Je vais même te bloquer. Quand vous êtes en Turquie, je vais les papiers, je vais traverser, je vais traverser, je vais traverser. Je vais seulement traverser. Parfois, Dieu te met dans un pays. Le pays où tu es là, tu t'ouvres à ce pays-là, tu trouves une voie là-bas que tu n'avais pas imaginé. Parce que tu es arrivé, tu t'es intéressé. Il y a des êtres humains là où tu vis là. Peace. Even you, I can block you. I block people like this. Quand tu parles, ça ne me va pas. Et je vois quand tu bavardes derrière beaucoup là. Quand tu bavardes derrière beaucoup là, te bloque moi. I block. I block. Tu vois, voilà, voilà, que les gens sont bizarres. Si tu n'aimes pas les gens ne t'aimeront pas. Tu me suis. Tu me suis. Diamond, bonjour. Mon nom, c'est Reine Lumière Diamond. C'est quoi avec toi? Ouais, j'ai trop d'histoires que vous me faites raconter. Vous parlez, ça fuse trop dans ma tête. J'arrive en Turquie. Trois premiers jours, mon guide n'était pas là. On m'a donné une autre femme. Quand elle me guide, elle soit avec moi. Vraiment, les gens ici, là, ils n'aiment pas les noirs. Hein. Elle m'amène au marché, elle m'essouffle. Après, elle dit qu'elle ne parle plus. Quatrième jour, mon guide arrive, il s'appelait Joseph. Il passe dans la rue. Un petit truc vient, il s'accroche sur lui, il l'embrasse. Après, il dit que l'autre dit que viens jouer au ballon avec nous. On finit, on te dit, t'es chez Koula. Marhaba. Il dit, mais attends un peu. Il dit, non, les Turcs sont très bien. Les Turcs, non, ce sont. Vraiment, si tu parles leur langue déjà, fais même l'effort. Ils sont très gentils. Ils aiment les Noirs jusqu'à. Deux personnes dans un même pays. Ils ont la même couleur. Qui ont deux réactions différentes. Vous n'aimez pas l'être humain. Hein. Ça, vous comprenez ça? C'est pour ça que tous les pays où moi je pars, je m'installe sans souci. Sans souci. Vous allez dire qu'ils sont tribalistes. Je peux aller m'installer dans le pays le plus raciste. Je m'en fous. Je ne me vois pas comme une noire. C'est toi qui vois que je suis noire. Je m'en fous. Je ne suis pas noire, moi. C'est toi qui vois que je suis noire. Parce que quand on te voit noire, tu vas commencer à penser comme une noire. Je ne sais même pas la pensée des noirs d'abord. Madame, ne me fais pas le bruit. Ferme la porte là-bas, s'il te plaît. Vous savez ce que l'employeur de ce Joseph a fait pour lui? Son employeur l'a tellement aimé qu'il s'est porté garant pour qu'il ait les papiers. C'était illégal pour lui de travailler sans papier. L'employeur l'employait. Il travaillait. Il dit que son employeur l'aime tellement qu'il est en train de préparer sa procédure. La dernière fois qu'on a parlé, c'était peut-être en 2020. Oui. Je vous ai dit que la façon de se connecter avec un pays, aller vers leurs personnes qui sont démunies. Tout pays a les orphelins et les orphelinats. Ça fait 30 minutes qu'il parle de ça, non? Vous écoutez gne, 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 comme ça là. Quand vous dites les choses que vous aidez, vous ne voulez pas. Je veux les papiers. Je veux l'argent. Je veux traverser, je vais aller en Belgique.
Quand j'ai vu les opportunités de business qu'il y a en Turquie, il dit que si quelqu'un vient en Turquie, il ne se fait pas l'argent. Peu importe là où tu te mets, les gens passent. Quand tu vois quelqu'un sur le pouvoir d'achat, voilà les clients qui passent devant toi. Tout ta part, c'est que tu mets les papiers. Tu veux traverser l'eau. Tu veux la suce de l'oignon, hein? Ça va les faire pleurer. Laissez. Vous allez avoir gourmand, vous allez bien pleurer. La suce de l'oignon. Et il faut vous intéresser sincèrement aux gens. Intéressez-vous sincèrement aux gens. Intéressez-vous sincèrement. Je parle comme je parle là. J'ai au moins ce 99% d'entre vous que vous allez regarder comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Demain, tu peux acheter les chaussures de ton enfant. Tu achètes la poupée de ta fille. Tu achètes... Tu dépenses 300 euros pour faire plaisir à tes enfants. Achète-moi le téléphone qui fait Vous savez les fausses téléphones qu'on nous dérangeait avec là on était petit, non? Engomèche, hein? Me, I love you. Achète même trois téléphones, tu peux donner à l'orphelinat. Ça va plaire à trois enfants là-bas. Irène, je n'ai rien à faire de ta situation, vraiment. Je n'ai vraiment rien à faire de ta situation. Je vais t'expliquer ma situation. Je ne veux pas savoir ta situation. Je parle des orphelins. Il faut que mon enfant soit la plus belle. Il faut que on doit voir que ma fille est belle. Vous voyez? Oh, Jesus. Jesus. On doit voir. Achète le faux téléphone qui fait tit. Un mention. Le téléphone là, quand tu achètes ça à l'enfant, retire les piles dedans. Hush. Aïe, les Chinois sont faux. Non. Hey, qu'est-ce qu'on vous a même fait? On a été programmé pour ne pas penser à l'autre. C'est un peu comme si, voilà l'idée que Dieu me donne, l'image que le Seigneur me donne, c'est que c'est un peu comme si c'est un diamant qui porte, où est-ce qu'on les faces que les gens font, les pranks que les gens font, non. Un homme qui est riche, il porte des habits de clochard, il vient en route, il est comme ça. Oui. Oui, avant midi, ça saoule, non. Ok, déjà. Comme l'homme là est là-bas, comme ça, avec la pancarte, les gens vont passer, personne ne va s'arrêter. Et arriver à un niveau où vous n'êtes pas seulement là pour parler, je vais prier pour toi. Il y a des gens que si tu les aidais, ça serait plus reçu que la prière. Vous suivez. Bonjour, Geluga. Vraiment, ma fille, je n'ai pas de... Il me faut... Même quand quelqu'un est à l'hôpital, la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'il est malade, il est hospitalisé, ne prie pas pour lui. Prends l'argent. Envoie-lui avant de chercher à prier pour lui. Vous me suivez? Je vais prier pour toi. Oh Seigneur, guéris-la. Seigneur, guéris-la. Les perfusions, là, elle va payer avec quoi? Hein? Tu sais comment. Il y a quelqu'un. Souvent, les gens sont couchés à l'hôpital comme ça. Hein? Comme ça, là. La maladie de la personne là, c'est même d'abord les factures qu'elle pense qu'elle va payer. Quand elle parle mes choses, vous allez me dire que je ne suis pas folle. Hey, si on vient avec les perfusions et si on demande de payer 15 000, alors que j'ai seulement 7 000 sur moi, je vais faire comment? Tu me dis que tu veux prier pour moi. Hein? Seigneur, guéris-la. Je vais me poser les mains sur toi. Tu vas poser les mains pour me lever. Hein?
Ne m'impose pas les mains. Impose les mains sur ton compte bancaire. J'ai découvert, quand j'étais au petit bas, au bas de ma spiritualité, je croyais que ça se limite seulement aux prières. C'est avec le temps que je comprends que je fais plus de bien aux gens. Plus de bien aux gens. Quand je peux leur donner quelque chose qui va les aider dans le quotidien. Beaucoup de personnes, quand ils tombent malades, la pensée du fait qu'ils ne peuvent pas payer sa facture, ça lui fait mal. C'est ça qui augmente sa maladie. Ça va, madame? Dès que le docteur passe pour la ronde comme ça, là, il dépose le papier. Il fait, oui, madame, la tension monte. Si on mesure sa tension après le passage du docteur, je suis sûr que la tension aura augmenté. Me dit que tu es hospitalisé. Bonne guérison, oh. Si c'est même 10 minutes, t'envoies. C'est que ça paye une perfusion avec une injection, c'est bon. Encore un médecin, tu seras au moins soulagé. Beaucoup de chrétiens, en anglais, on dit oblivious. C'est comme si vous vous voilez le visage. Vous vous voilez le visage par rapport à certaines choses. Des personnes que vous connaissez qui sont célibataires, ils sont seuls. Quand il te dit qu'il est malade, oh, prépare la nourriture, ne lui demande même pas. Envoie. Envoie, on lui donne. Ça va. La personne ne va pas t'oublier. Hein. Tu me suis. Même pour visiter, tu me visites, tu me donnes pas l'argent. Pourquoi? Tu viens me visiter avec ton corps. Je fais quoi avec ton corps? Ça paye mes factures. Bonjour, mais je suis malade, je vais me visiter à l'hôpital. La visite et le soutien. Quel soutien, Abby? Quel soutien? Soutien-gorge. Voilà les gens qui viennent. Vous venez vous visiter pour manger la nourriture des gens à l'hôpital. C'est vous qui venez manger la nourriture des gens à l'hôpital. Hein? Que la visite et le soutien. Parce que vous savez que. Vous savez que les malades n'ont pas l'appétit. Je vais vous exposer. Laissez. Je vais vous exposer aujourd'hui. Aïe. Quand tu ne bois pas le yaourt. Non, je ne veux pas. Ok, elle a ouvert la boîte. Hein. Elle a ouvert. Oui, quand le docteur passe. Oui, docteur. Que tu as tout mangé, ce qu'on a apporté. Faut apporter l'argent aux malades, pardon. Faut les laisser. Je vais boire la bergère. Je les connais. Vous savez, j'ai vécu trop de choses dans ma vie. Hein. Je sais pas, j'ai vécu trop de vie. J'ai vécu trop de vie. Tu viens d'abord sans nourriture. Et comme on se donne le plastique en bas de truc là-bas, eh bien, elle ouvre. Il y a quoi ici? Le malade ne va jamais vouloir manger. Nathaniel, tu me regardes toujours au boulot. Il faut bien rire. Ah, non, non, non. Soyez quand même. Soyez logique. Hein. Il y a les gestes que si tu commences à voir, on va savoir que la personne, si tu es mature, tu es mature. Tu es mature. Même les employeurs, parfois tu vois ton employé, tu vois combien tu lui payes par mois. Il tombe malade, il fait 4 jours à l'hôpital. Il revient. Tu sais que la personne, s'il n'a pas dépensé pas moins de la moitié de son salaire à l'hôpital. Il n'y a pas les employeurs ici, là. Ce n'est pas, l'Afrique, ce n'est pas comme en Europe, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital gratuitement, on te soigne, on te donne le remède gratuit. Pardon.
C'est pas évident. Pas évident. Dorian dit qu'on a appris que quand on ne parle pas chez quelqu'un, les bras ballants, surtout quand la personne est en détresse. Non, en Europe, il y a les mutuelles, non? Il y a les mutuelles. Quand j'étais en Belgique, il y avait la mutuelle. En France, il y avait la mutuelle. L'Angleterre, c'est même le plus relax. Parce que quand tu demandes tes papiers, tu payes une assurance maladie pour l'année, pour 2 ans. Donc, c'est plus léger. Croyez-moi, quand quelqu'un tombe, même quand quelqu'un va accoucher, quand tu as une césarienne, quand tu as une NHS, non, I know. Quand tu as une césarienne, avant même en Angleterre, on ne payait même pas l'assurance. Il y a cela 10-15 ans. C'est maintenant qu'ils ont rajouté beaucoup de choses. Quand tu fais une césarienne en Europe, moi j'ai accouché ma fille par césarienne. On m'avait pas. Je suis allé à l'hôpital, j'ai rien payé. C'est les NI contributions, ça, c'est les contributions nationales qu'on fait là. Quelqu'un au pays, ma femme a accouché par césarienne. Tu sais que l'homme là a sué. C'est pour ça qu'un de mes petits m'écrit, il me dit que oh, ma femme est à l'hôpital. Ou même quand il me dit d'abord qu'elle est enceinte, je l'appelle, je lui fais asseoir dans mon bureau. Il dit, petit, tu es allé enceinte la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Donc, ne fais pas tes que elle va bientôt accoucher. Monsieur, prévois l'argent. Prévois l'argent. Quand ton salaire passe comme ça là, paye les. Tu dors quoi? C'est comme ça que la dernière mission du césarien, tu vas commencer à paniquer partout, partout. Il y a des choses que ça doit être logique chez vous. Et je me suis rendu compte que de nos jours, les gens fuient trop les responsabilités. Les gens fuient les responsabilités. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler. Quand elle veut t'embaucher, bonjour Denise, quand elle veut t'embaucher, je demande d'abord, tu as combien de personnes à ta charge? Je préfère prendre un père de famille, j'augmente ton salaire, au lieu de prendre un pam-pam, un yo, comme ça là. Non. Bonjour Monsieur Abessolo, je pensais à toi en passant. Monsieur Abessolo a 8 enfants. Cet enfant avec sa femme, elle va accoucher le 8e bientôt. Et tous les enfants combinés, c'est 11. Ils vont avoir le 12e bientôt. Donc vous pouvez comprendre le degré de responsabilité de Monsieur Abess. L'homme là ne fuit rien. Il ne fuit rien. Il est là. Tu t'appelles Abessolo, ça veut dire que tu dois avoir beaucoup d'enfants aussi. Et il est là, hein, monsieur Abessolo. Ok. Ceux qui l'ont rencontré à Douala, il est là. Il ne fuit pas. Les gens fuient les responsabilités. Tu sors avec une femme, elle a déjà l'enfant. Occupe-toi de son enfant. Voilà la rentrée. La rentrée arrive. Paye la pension de l'enfant. J'ai souvent été avec des hommes comme ça là. Noël arrive, vous parlez ensemble. Hein? Ah, elle dit que c'est abusé. Jesseline, où c'est Jesse? C'est abusé. Il a encore un qu'il doit faire après l'enfant. Si. Voilà, la chinoise, tu dis que tu l'as déjà vue. Hein? Bonjour la chinoise, comment tu vas ma chérie? Enfants, tu dis que c'est abusé. Il ne mendie pas chez quelqu'un, il ne demande pas, il ne dort pas chez quelqu'un. Il vit dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Et il s'occupe de tous ses enfants, s'il vous plaît. On vend le sel à lui. Toi-même, je fais le local, je ne vends pas le sel. Hein? Où est-il, Bidis? Tu sors avec un homme, tu as l'enfant. Il ne demande jamais que tu fais comment pour t'occuper de l'enfant. Rien. C'est quoi ce genre d'homme d'aujourd'hui? Les gens sont devenus trop irresponsables.
fait, hein? Non, il va rester, il va pas penser qu'il faut les cadeaux des enfants. Non. Vous savez, l'homme-là m'a fait comprendre que tu peux vivre dans une société, monsieur Abessolo, hein, tu peux vivre dans une société où les gens sont partout, ils s'éparpillent, ils font du n'importe quoi. Mais toi, tu gardes tes valeurs. L'autre jour, quand il y avait l'intronisation, je lui ai dit que pardon, il ne faut pas que ta femme prépare. Il n'a rien dit. Le jour-là, elle porte le ventre. Comme ça, elle vient avec trois plats de nourriture. Il dit, madame, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas avoir un événement comme ça là. Et moi, je ne fais rien. Vous ne pouvez, impossible. Vous voyez le sens de responsabilité que les gens ont. De l'honneur. Leur dernier enfant a, c'est mon homonyme, elle a 1 an et demi. Donc elle avait l'enfant était derrière, elle marchait. Un côté, elle avait le sac, le truc de la nourriture, elle avait mis dans un sac. Je crois qu'elle avait le sac dans une main, elle avait l'enfant dans une autre main. Oui. Oh, tu as rêvé de moi. J'étais tout en blanc et j'étais parlé dans le rêve. Ça, c'était vraiment moi, oui. Je gronde même souvent dans les rêves. Oh, j'étais trop belle. Ah non, ça, c'était vraiment moi. Ça, là, ce n'est même pas vraiment moi. Si tu me vois, si tu vois mon corps spirituel. Oh là là. C'est le feu. Tu es amoureux de moi. C'est bien, non? C'est très bien. Je dis, Jocelyne, on se connaît où? Si tu es un de mes ex, je t'en prie, pas avant qu'elle te bloque. Si tu es un de mes ex, pas avant qu'elle te bloque. T'as compris? Je connais mes ex là. Vous passez souvent dans mes directs, je vous bloque à distance. Peace. Quand on fait rap, tu nous bloques. Hein? Et je bloque. Tu cherches l'argent. Tu es pauvre, tu veux m'épouser. Pardon, vous me laissez. Vous savez, avoir l'intention d'honorer quelqu'un, ça appelle l'argent. On a fait un direct une fois avec M. Abessolo ici. Il a expliqué qu'ils ont vendu 700 pagnes quand il se mariait avec sa femme. 700 pagnes. Vous suivez? 700 pagnes. Donc, si par panne, ils ont le bénéfice de 2000, ça veut dire qu'ils ont eu combien pour le mariage? Mettons seulement 1000 francs. Son costume. Je crois que c'est un costume italien que quelqu'un lui a donné. L'habit de sa femme, on a acheté quelque part en Europe là-bas pour vous envoyer. Quand tu veux honorer quelqu'un, soyez des personnes de valeur, que vous faites ce que vous devez faire. Je vous en prie. Ce n'est pas l'argent qui va manquer. Parfois, vous êtes ensemble comme ça, tous les jours, vous fuyez. Oh, on n'a pas l'argent pour se marier. Oh, oh, oh. Décidez. Vous allez voir. How was you? Oh, shall be. No. Pardon, la tête te bloque. Je n'aime pas comment tu parles. Là. Tes paroles ne me plaisent pas. Tu as compris? Je m'appelle Jocelyne, je suis ta Jocelyne. Vous devez. Oh là là, how do I say that? Quand tu es un homme d'honneur, c'est un peu comme si. Tu es une voix qui criait à travers notre société. Les gens de TikTok ont recommencé. Facebook, les gens de TikTok ont recommencé leur folie. Le bavardage là. Facebook a recommencé. Je dis même Facebook, TikTok. Les gens qui n'ont pas l'argent pensent toujours
Il veut seulement ceux qui n'ont pas l'argent pensent toujours à l'amour. Parce que vous êtes pauvre. Tant il bloque le gars, si. Il y a trop les pauvres sur TikTok. Mais bon, TikTok aussi bien parce que tu ne sais pas qui te suit. J'ai des grandes personnalités qui m'ont contacté à travers TikTok. Que c'est Dieu qui avait seulement permis que le jour-là, la personne tombe sur ma vidéo. Bon. Donc TikTok est comme celle-là. On prend seulement. Aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont pas compris. Il y a des principes que j'ai appris dans la vie. Principe de la patience. Sois patient. Sois loyal. La vérité. Sois vrai. N'essaie pas de manipuler les gens. N'essaie pas de manipuler les gens. Si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu n'aimes plus quelqu'un, arrêtez. Il n'y a que ton mari que tu n'as pas le droit de ne plus aimer. Même si l'amour est parti, ça va que revenir. Il faut... Les gens de nos jours n'aiment pas attendre leur temps. Tu dois avoir un truc dans ta tête qui te dit que si ce n'est pas Dieu qui me donne, je ne veux pas. If it's not God, I don't want it. Parce qu'il y a des personnes... Tu arrives... Il a eu ça. Souvent quand je vois mes employés comme ça, là, je leur dis que vous savez quoi? La majorité de mes employés ont 23-24 ans. Seulement le fait que vous êtes ici avec moi, hein, les choses que vous apprenez, même vos parents ne vous ont pas montré. Soyez seulement patient. J'en ai eu qui sont venus, qui ont dit, je peux même faire mieux qu'elle, je ne suis pas pressé. Quand vous me voyez aujourd'hui là, ça c'est le résultat de 13 à 15 ans de travail. C'est moi que j'ai commencé tôt. Comme on dit que les gens font l'amour tôt, ils font l'enfant tôt là. J'ai fait tôt. Mon enfant a 14 ans. Et l'autre d'avant a 18 ans. Oui, c'est moi qui fait tôt. Donc ne viens pas, tu vois ton enfant a 2 ans, tu dis que tu veux commencer à que l'enfant court ou l'enfant voyage. Non. Tu ne connais pas les étapes par lesquelles je suis passée. Et je leur dis aussi souvent que si Dieu me dit de vous bénir, je ne vous bénis pas. Hein? Même en route, un passant va s'arrêter, va te bénir. Je veux beaucoup comprendre ce que je dis. Supposons que Dieu me parle à la nuit, bon, fais telle chose à telle personne. J'ai souvent eu des employés comme ça qui sont arrivés, qui ont voulu jalouser d'autres. Genre, tu montes un projet avec celui-ci, tu dis que c'est lui qui va peut-être aller dans tel pays faire ça. L'autre arrive, il voit. Tu sens dans sa façon de faire qu'il ne veut pas que l'autre aussi fasse ça. Tu vois, non? Et finalement, le jaloux part. Hein? Le jaloux s'échauffe, il part. Mais le patient reste. 6 mois plus tard, l'opportunité s'ouvre encore. Dieu remet encore l'opportunité. La patience. Soyez patient. Soyez patient. J'ai aussi vu avec mes employés, je leur demande d'avoir beaucoup d'humilité. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des caractères ou des comportements. Donc, il y a des choses en vous qui vous gâtent. Tu arrives quelque part, tu ne peux pas te stabiliser. On faisait un bilan des compétences de mes employés. En fait, j'ai quelqu'un qui était avec mes employés en janvier. Et il a vu leur façon de faire déjà. Oh, vraiment, je ne pense pas que ça va aller. Hein. En janvier, je lui disais que ne te dérange pas. Ça va aller. Donc, il a eu l'opportunité de retravailler avec eux en fin novembre. En fait, ils avaient tellement avancé que... Il était dépassé, il dit, mais attends,
Tu vois comment il me tel. Il y avait une là l'année passée, elle ne maîtrisait rien. Elle était. Mais quand il arrive, il voit comment elle fait. Tac, elle fait ça, tac, elle fait ça, tac, 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 tac. Il est dépassé. Je lui dis que ce que tu vois là, ce n'est pas tout. Je vais encore les former. When they will be president. Donc, il y a des jeunes. Je m'appelle, earlier this year, like February, j'ai un jeune homme qui est arrivé. Je prône dans mon entreprise le caractère par rapport au talent. Je prône le caractère. Un lion mort pour moi ne vaut rien. Je préfère le chien vivant par rapport au lion mort. Le lion a la force, la vigueur, gna gna gna. Mais le lion est mort. Ah, tu es devenue patiente, c'est super. Je vois qu'il y a beaucoup de ceux qui disent qu'elles sont devenues patientes. Le lion est déjà mort. Mais le chien là, je peux l'entraîner. Je lui donne les stéroïdes. Il fait la muscu. Je prends l'implant dentaire, je mets la barbe sur lui. Après un jour, il commence à faire. Pardon, vous me laissez. Je crois que vous comprenez ce qu'elle dit. Tu as vu le kangourou, non? J'ai un moment sur TikTok, par exemple, les kangourous là. Tu vois les kangourous musclés comme ça. Tu muscles le lion, le chien, ce qu'il devient musclé comme ça là. Oui, tu mets la barbe sur lui. Hein? Qu'est-ce que tu dois travailler sur toi jusqu'à devenir patiente? Achète mon livre, mon cahier de vision. Ah oui, en passant, on a une séance de travail. Ce sera sûrement le 24. Je voulais mettre soit le 22, soit le 24 de la nuit, soit le 23. J'ai penché pour le 23. Donc, on va partir à l'orphelinat, tout ça, gna gna gna. Le soir, normalement, à 18h, de 18h jusqu'à peut-être 22h. On aura une séance et cet atelier va coûter 50 000 francs. Planifié 2024 jusqu'à 2032. Le cahier de vision, c'est 15 000. La séance va coûter 50 000. Ceux qui vont payer 50 000, vous aurez un cahier de vision gratuit. Mais il faut que vous vous arrangez pour qu'on vous fasse parvenir ça là-bas. Donc, on peut dire, tu peux payer l'envoi. Je vais envoyer un lot de cahiers à Paris. Et elle va poster. Poster dans la France, je pense que c'est... L'autre option aussi, je peux vous envoyer le cahier. Oh, je ne sais pas comment on peut faire. On va voir. Mais ceux qui payeront les 50 000, vous aurez un cahier gratuit. Et on va travailler le 23, de 18h à 22h. Je voulais voir si on peut envoyer un PDF. Je pense que c'est possible, oui. Je voudrais juste pas que vous me fassiez du plagiat. Genre, je sais pas comment il peut dire. Je veux pas que je vais envoyer. Je veux voir si on peut envoyer une image. Tu imprimes. Oui, on peut récupérer les produits à Abidjan. Je vois, si vous m'écoutez, mes secrétaires là. Donc, donnez juste la liste de ce qu'elle a commandé. Elle pourra passer chercher ça en journée. Donc, cet atelier, on va s'asseoir pour voir comment planifier le futur. Ok? J'ai raté. C'est une séance, on peut dire, un atelier planifié 2024. Le cahier de vision, c'est 15 000. Si tu veux ton cahier sans assister à l'événement, c'est 15 000. Tu l'achètes, tu remplis seul, pas de souci. Maintenant, si vous voulez participer, je crois que j'enverrai à certains un PDF. Vous allez imprimer. Parce qu'on en aura besoin pour travailler. Ce qui manque beaucoup à votre vie, qui fait que vous errez comme ça, c'est que vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas une vision. Ceux qui ont déjà fait mes séances, vous savez comment c'est. Moi, j'aime le concret.
Donc prenez le numéro dans ma bio, sur la page là-bas. 237 6 93 50 22 66. Maintenant, les lavages physiques à Douala, à partir du 17, on peut déjà les faire. Les enfants seront en vacances, donc vous pouvez venir. Je vais voir si je vais faire les promotions de lavage pour enfants, comme c'est les vacances. Ce que tu dis par rapport à la vision, là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Dès qu'on te donne la vision, j'ai des personnes que j'ai coachées un an, il y a cela, deux ans comme ça. Une m'a recontacté, ça fait 2 mois. Elle dit, elle déménageait et elle est tombée sur le cahier, ce livre dont je vous parle, que je vends. C'est moi qui l'ai conçu, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, elle est tombée sur son livre qu'on avait travaillé l'année passée. J'étais venue sur Abidjan pour travailler avec elle l'année passée. Et elle avait écrit ce qu'elle désirait, elle avait planifié. Elle dit donc, en déménageant, elle a pris, elle a ouvert. Elle dit que tout ce qu'elle avait demandé, elle a déjà fait. Donc, elle était même dépassée, en fait. Pour les enfants. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il faut que je fasse venir les enfants à Makepe. Parce que beaucoup de vos enfants sont à distance. Donc, à distance pour les enfants, on va mettre la séance à 15 000. Maintenant, si vous avez plusieurs enfants, on verra. C'est un peu délicat. Si vous êtes intéressé, vous écrivez. Je préfère. Écrivez. Voilà. Vous investissez, vous achetez le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël de l'enfant. L'enfant ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Faites très attention. Parce que parfois, vous voyez les choses en ligne, vous êtes tenté, vous voulez acheter, vous voulez faire, ou bien vous les mettez en priorité pour vos enfants, alors que ce sont des choses qui ne vont pas réellement aider l'enfant. À distance pour adultes, j'ai déjà dit que c'est 50 000. À distance et en présentiel, je ne fais pas la différence. Hein. Je fais toujours le lavage à distance. Quand tu me demandes que je ferai encore, je fais toujours le lavage à distance. Bonjour le brasard. Bon, je vais un peu résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai parlé des attaques spirituelles sur vous. Je n'ai pas dit que je venais à Yaoundé, donc ne me demandez pas quand je viens à Yaoundé. Je n'ai pas dit que je venais à Yaoundé. J'ai parlé des attaques spirituelles subtiles que vous pouvez avoir. J'ai parlé de la colère, de la jalousie, de taper dos, de couteau dans le dos. Oui, colère, jalousie, et j'ai aussi précisé que certains esprits qui vous attaquent, tu peux quitter d'un pays, tu vas dans un autre pays, les mêmes entités qui te dérangeaient dans le pays que tu viens de laisser là, ils transfèrent ton dossier aux affaires étrangères de sorcellerie du pays où tu es. Oui, taper dos, c'est trahison, oui. Ce qui fait que dans le nouveau pays, tu as le même problème que tu avais dans l'ancien pays que tu viens de quitter. Donc, on se déplace avec ses problèmes. Donc, on ne fuit pas complètement. On se déplace avec ses problèmes. Maintenant, pour résoudre cela, première chose, j'ai parlé de l'importance de faire des dons. OK? Se débarrasser d'un mauvais esprit, ce n'est pas seulement dire qu'on va prier ou bien ce n'est pas seulement les astuces. Le bénévolat, faire des dons. Et on a dit que le 23, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous nous informez. On va organiser une remise simultanée, donc synchro, de dons. On en fera dans plusieurs pays et plusieurs villes. Donc, si vous êtes à Abidjan, supposons, Abidjan, Libreville,
Paris, même à Ouagadougou, même si vous êtes aux îles, en Guadeloupe, Washington, contactez-nous, on verra si on peut faire quelque chose de simultané. Voilà. Et le soir du 23, la semaine du 23, oui, le soir, nous avons. On a quoi? L'atelier pour planifier 2024. Cet atelier sera 50 000. Et pour l'atelier que vous aurez payé une place, vous aurez un livre. On va vous envoyer le fichier, vous allez imprimer si vous êtes loin. Un cahier de vision pour adultes. Ok? Voilà. Et puis, je vais m'assurer que j'ai noté tout ça. C'est noté. Les lavages en présentiel au Cameroun commencent à partir de la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il y en aura un le 17 et l'autre sûrement le 22. J'essaie de voir parce qu'avec les dates, le week-end là, c'est un peu compliqué. Mais à partir du 17, il y en aura. Prenez le numéro de Libreville. 074 18 00 80. 80, 50 000 en euros. Je crois que c'est 82 ou 85 euros. Yasmine, tes rêves se réalisent. On va danser. On va danser. C'est bon, non? Si tu fais des choses, ça ne marche pas. Oui, prends la lavage à distance. Tu peux aussi prendre un kit. Ok. Le numéro de Libreville, 074 18 00 80. La chronique de Samy. J'aime le genre de rêve si. Attends, regardez le rêve qu'elle a fait de moi. J'ai rêvé de toi. Tu avais un parking plein de voitures de luxe. Jesus. On va danser. On va danser. Il n'y a pas zéro à la fin. Ce n'est pas le numéro que je donne pour Libreville. 074 18 00 80. 074 18 00 80. Oh, quand, il n'aime pas quand Dieu montre mes choses aux gens. Hein. Quand Dieu montre mes choses aux gens comme ça, là, pourquoi tu fais les choses comme ça, Dieu? On va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Si tu fais le OM aussi sans, fais le OM aussi sans, prenez le OM pour les orphelins. 6,98. Lavage présentiel à Abidjan, pas pour le moment. 6,98. 367, 221. Ça, c'est OM pour les orphelins. Et si tu fais pas. Si tu fais aussi 193, tu écris pour dire que voilà l'argent pour les orphelins. Précise juste, ils vont mettre. Le comptable va mettre ça de côté. Brazzaville, tu fais le transfert comme ça. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. N'y a pas de bain de fin d'année. Bien sûr qu'il y en a. J'en ai déjà parlé, non? Vanessa, je vais te bloquer. C'est pas parce que tu écris cela qu'elle ne te bloque pas. Tu demandes les sacrifices. Tu sais très bien, les sacrifices se feront. Écris en inbox, tu as le numéro. Tu demandes. Tu me comprends? Ne me stresse pas. Avec moi, tu n'as jamais su si tu es mon ami ou pas. Tu peux rester, on s'échange avec toi. Mais la mère, on était amis hier, non? Oui. Ma grand-mère était comme ça. Tchao! Ma grand-mère changeait d'humeur.
Tu vois, si tu es bien avec le Dieu, tu peux pas rentrer, tu es contente. Hop. Elle reste comme ça là demain. Tiens. Le soir même. Hop. Est-ce qu'elle te parle encore? Tu vois, seulement que la grammaire s'est encore changée. Non, j'ai compris, mamie, ne te dérange pas. So much better when you smile. So smile. I always be fell from the sky. Que la beauté sur nous est. Que mes noms. Tu n'as pas encore mes noms. TikTok, vous avez tout besoin d'aide. Tu as fait le bain de sel, tu as vu la réunion de sorcellerie. On décortiquait le nom de qui, maman? C'était ta part. J'aime quand on vous montre les choses, on vous montre vos choses. Parce que souvent, quand on vous parle, vous croyez qu'on vous manipule, qu'on ne veut pas votre bien. J'ai consulté une dame hier. Oh non. Et la consulte. Elle fait le bain, elle me connaît. Elle dit à ses tantes qui la détestent. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Tu sais, mon problème, c'est que j'ai de la peine à faire le travail spirituel. Tu as ouvert les magasins, on t'a arnaqué. Bien même. Prends les produits, tu verses là-bas pour te... Non, tu sais. Ok, mamie. Tu as le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre, pardon. Pour ta canne. Ton intuition ne te trompe pas par rapport à quoi. Oh, l'aloe vera, c'est un truc apaisant. This is so good. TikTok, arrêtez avec vos questions, pardon. Prends le kit d'abord, ma chérie. Tu fais le lavage après. Lavage à distance après. I almost gave up. Voilà. Oh purée, ça fait du bien. Maman, la texture de la fessière. Ça me rappelle les choses. Seigneur, pourquoi mes idées commencent à devenir? Eh qui est? Où est-il, Bidis? Ah! Ne riez pas. Moi-même, c'est moi-même qui vous... C'est moi qui vous... C'est moi qui vous provoque souvent. Papa, vous êtes calme. Moi-même, je sors là-bas. Aïe. Il faut payer la consultation, non? C'est qui dit qu'elle veut la consultation, là? Ah, les chroniques de Samy. Tu as fait ton kit fondation. Hein? Le kit coûte 70 000 au Cameroun. Maintenant, le prix change en fonction du pays où tu te trouves. Ça glisse. Les mauves glissent aussi, non? Pourquoi tu penses seulement au truc, là? C'est quoi? Tu as versé ton café sur toi. Hein? Les mauves glissent aussi, c'est quoi? Les flashs, quand tu touches la glaire, tu touches là, ça sort, ça glisse aussi, non? Oui, les kits sont disponibles en France, aux États-Unis, on poste aussi au Canada. Ça glisse comme quoi? Même le cuir glisse. Donc là, il faut me laisser. Concernant le lavage qu'on m'avait fait, je remercie encore car ça m'a ouvert les portes pour le travail. On t'a appelé d'ici demain, tu as un entretien pour ton appartement. Oh, waouh! Franchement, je suis contente. I like it. That's good. That's really good. Congratulations. You have seen the glory of God.
Congratulations. Maintenant, quand tu commences à travailler sur toi, tes choses marchent. Hein? C'est le moment là que tu dois encore travailler. Il n'y a pas le kit fondation, le kit examen en France, mais on poste. Prenez le numéro alors. Tu commandes, tu payes au Cameroun, on t'envoie ça en France. OK? Plus 237. Plus 237, 6, 93, 50, 22, 66. Quand tu prends le kit, tu fais. Hein, ou tu payes un lavage à distance. Hein, je ne lirai pas les cartes, pardon, vous me laissez. Si après, si l'ange qui lit les cartes vient ici, là, je vais lire. Vous me laissez. Donc, tu prends, tu fais. Ça t'ouvre une porte. Tu dois encore faire. Beaucoup de personnes, quand ils font leurs choses, ça marche. Tu vois, la personne passe 6 mois, 1 an, ça encore fait. Non. Vois un peu comme si dans le spirituel, tu ne fais pas ton corps se salir. C'est pour ça que même le kit fondation, tu fais. Tous les 3 mois, tu dois faire un nouveau kit. Il y a des gens qui prennent chaque mois qui prennent un kit. Je connais des gens qui prennent un mois, ils prennent un kit. Le mois prochain, pas encore. Il y en a qui font le même kit plusieurs fois. En tout cas, c'est quand tu fais, tu vois que tu comprends toi-même. Parce que l'ennemi va souvent. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça. Elle achète une fois, elle voit comment ça agit. Ça a bien travaillé. Quand tu lui demandes, elle dit oui, ça avait aidé, ça avait fait ça, ça, ça. Et après, quand ses problèmes commencent encore, elle oublie. Elle oublie que le kit l'avait aidé. Mais Mamie, tu oublies comment? Puis, toi-même, tu es choqué que tu es ici là depuis. Hein? Il faut partir, pardon. Tu vas pas être bloqué. Nathaniel est en train de bavarder. Il est au travail, il est en train de regarder les vidéos. En travaillant. Vous pas, regardez la texture, c'est comme quoi? Ça colle comme quoi? Gardez l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Vous êtes habité par l'Esprit Saint. Devinette. Dites que net, devinette. Si vous donnez une bonne réponse, je vais vous tirer la carte. Voilà, la barbe d'escargot. Je te tire une carte de l'or. OK. Voilà, je tiens une carte pour Laura. Oh, tu as beaucoup de bonnes œuvres que tu dois faire. Les œuvres caritatives, ça va beaucoup t'élever. Ça va t'élever. Bien suivi. Et protéger aussi. Odile, elle dit la glaive vaginale. Jamais Odile, t'as pas là. J'ai dit regarder les idées claires. Ça ne donne pas. Bon, Angela a dit le cuit. Angela, tu es censée faire le business. Tu n'as pas encore fait. Pourquoi? Je vois que tu es censé faire le business. Le business va te permettre de prospérer. Dominique, voilà, la mauve. Tu as bien écrit. D'autres écrivent M-O-V-E. Dominique, tu as un esprit très créatif. Très, très créatif. Le cuit bien frais qu'on vient de couper au champ. Hey, Kiam, c'est... Dominique, tu as un esprit très créatif. Kiam, je vais te lire ta part. Tu as pris le temps. Kiam, tu es en retard par rapport à certaines choses. Je crois que tu as des attaques spirituelles. Il y a des gens qui t'attaquent. Tu es en retard par rapport à certaines choses. Les gens qui sont connus sur TikTok, là, ne venez pas ici, écris ici. Hein. What the F is this? Yeah. Je voulais connecter mon téléphone avant de commencer à faire le direct. Je m'entends pour faire un truc avec toi le premier jour. Tu es censé travailler samedi, tu vas à l'avance. Je n'aime pas travailler avec des gens qui sont pauvres. Ça ne me va pas. Les pauvres, là, je n'aime pas travailler avec les pauvres. Le gombo. Attends. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont dit le gombo. Attendez. Grâce, Téné. Grâce. L'argent arrive, grâce. La sève. Reine Lumière English. La sève. Reine Lumière English, c'est toi qui as.
Donne-moi un peu le prénom de la personne qui est en train d'écrire avec ce compte-là, Reine Lumière English. Donne-moi ton prénom. La salive. Josiane, ta salive est comme ça. Un gars t'embrasse, il fait comment? Ta salive est comme ça, Josiane. Jesus is Lord. Josiane dit que sa salive coule comme ça. Ciao! Yeah, mêlée. Miss Eugénie, tu fais quoi dans mon direct, Miss Eugénie? Et tu n'as pas commenté depuis. Miss Eugénie, tu es dans quel bureau là-bas? Le bureau de Monsieur Stéphane. Bouillie de tapioca au lait. King Kiza, il va te bloquer. Tu es venu gâter mon direct. Oui, la colle. DHL. Oui. DHS. DHS, la carte, c'est pour toi. Tu es sur la mauvaise voie. La glaire qui sort du couteau. Hey! Jesus. Tu as pris Dieu. Tu es sur la mauvaise voie. Il y a quelque chose que quelqu'un veut te faire. Je sais pas comment on peut dire. Peut-être c'est ta famille qui t'a pas bien dirigé. Tu es sur la mauvaise voie sur quelque chose. Mamie, le miel coule comme ça là. Le miel coule comme ça. Ciao. Ton canda ne passe pas. Hein. Tu n'as pas encore vu. Maman, tu manges quoi pour venir? Pour vomir et c'est gluant. Elle dit le vomi. La glaire pendant l'ovulation. Cette glaire-là m'énerve, c'est dégueulasse. Pourquoi Dieu a même fait des choses comme ça? Bon, Miss Eugénie, je tire ta carte. Miss Eugénie, tu dois changer de voix. Il y a quelque chose que tu es en train de faire, peut-être tu hésites. Il faut que tu changes de voix. Bon, j'ai fini. Mon jeu concours est fini. Donnez-moi encore notre jeu concours qui ne sera pas facile. Sandra a dit que les flashs. Sandra Ngounou, attends, tire ta carte. Que les flashs. Tu as commencé à faire une procédure de papier. Ça va marcher. Il a suivi. Si tu n'avais pas encore commencé, il faut commencer. Igouaka. Tu es un peu perdu. C'est normal. J'ai fait une lecture complète, mamie. Bon, vous allez maintenant me donner vos prénoms. Je vais vous tirer les cartes. Attendez. J'ai dit d'abord à vos mains avant que vous envoyez vos prénoms. Attendez. Tous ceux qui m'ont écrit leur prénom, je vais les bloquer. George, tu écris à ton prénom, il va te bloquer. Personne n'écrit son prénom. Stop. Voilà. Pascaline, il va pas te lire. Tu as compris? Je ne te lirai pas. Bon, à bon, après, allez-y. Béryl. Tu dois croire un peu plus en toi, Béryl. Georgina. C'est comme si les choses vont un peu être pimentées dans ta vie. Le rythme va monter. Christine, tu vas être apaisée. Il y a une situation qui était douloureuse, ça va aller. Daniel, Mélanie, l'espoir est en train d'arriver. Christina, on va te révéler des choses qui étaient cachées. Habib, non, la chouchouter là, Habib, ok. Tu vas te stabiliser dans un endroit où tu étais. Tu es parti. Chanice. Persévère. Yana. Yana. Le courage est en train d'être. On est en train de donner le courage. Il faut que tu imagines. Apparemment, tu veux lancer un truc, mais tu as peur. Ton imagination doit rentrer en jeu. Chanceline. La compassion, Magali. Attendez, le 7 de cartes, ce n'est pas chaud comme j'aime. Je vais prendre ceci. Colette, Colette, j'ai pas bien vu, écris encore.
Colette, tu as fait beaucoup de projets de cœur, les œuvres caritatives. C'est dans ton cœur depuis, mais tu dois vraiment commencer à prendre ça plus formellement. Tu négliges beaucoup. Diane, tu as les dons spirituels, tu peux te connecter avec les astres. Sonia, on a travaillé sur toi de telle façon que tu fais beaucoup d'efforts, tu ne vois pas le résultat. Elodie, on t'a bloqué en faisant que tu bosses beaucoup. Pas de résultat, Elodie. Michou, il faut approfondir ton travail spirituel, Michou. Yao, tu vas voyager, beaucoup de voyages. Christiane, beaucoup d'efforts sans avoir de résultats. Tina, beaucoup d'événements imprévus sont censés te bloquer. Michel, tu dois changer de voie. Émilie, tu es un éveilleur éclairé. Josiane, tu as une paperasse que tu vas faire, ça va marcher, peut-être le visa. Linda, promotion est en chemin. Paul Isaac, change de voie. Sylviane, promotion. Dorian, ton esprit créatif. Georges Christelle, tu as les dons de guérison. Elodie, tu peux lire les gens. Vanina, don de guérison. Jeanne, beaucoup d'opportunités arrivent à toi. Bernard, don de guérison. Agnelle, beaucoup d'événements imprévus sont là pour te déstabiliser. Bijou, approfondis ton travail spirituel. Tu es très superficielle et paresseuse. Nancy, tu as les dons de voyance. Adja, tu as les dons de guérison. Indrid, tous mes employés là, vous êtes dans mon direct. Quand je parle, j'ai besoin de vous, vous n'écrivez pas. Mais Dante fait les lectures. Hein? Stella, tu étais là-bas et je te coxais. Beaucoup d'événements imprévus vont vouloir te déstabiliser, te retirer de là où tu es. Stella. Maintenant, Liliane. Événements imprévus aussi. Cynthia. Tu as pris du retard. Magali. Tu dois travailler à ton compte, pas pour les gens. Odile. Tu es connecté aux astres. Ivana. Il y a beaucoup de confusion qu'on lance sur toi, c'est une attaque spirituelle. Emmanuel. Travaille à ton compte, Emmanuel, ça va prospérer. Brandy, wow, tu es un leader, tu es un dirigeant, tu es une sorte de, tu dois être haut placé. Adimatou, mauvaise voix. Aïcha, rêveur, tu as un esprit très créatif. Georges, tu as les dons spirituels de guérison, tu es un chaman. Blanche, tu as les dons d'enseignement. Lisa, beaucoup d'opportunités vers toi. Sorel, promotion. Patrick Stéphane, beaucoup d'événements imprévus, la même chose que pour Stella. Lush, c'est beaucoup d'événements imprévus. Je crois que c'est les secousses que vous avez sont des attaques spirituelles. Tu dois aussi Stéphane, communication, communicant. Donc tu vas être vu sur les réseaux. Bon, Stéphane, Théma, changement de voix. Vanessa, événement imprévu. Blanche Olga, tu vas te former. Rarima, tu as les dons, tu es un chaman. Bertie la fortune. Bertie la fortune. Beaucoup d'opportunités vont se présenter, il faut savoir les saisir. Yonta, voyage, tu vas voyager. Brittany, Ange Michel, beaucoup de jalousie. Awa, opportunités vont venir. Nivino Kendra, non. Tu es en train de vouloir qu'elle liste tous tes enfants. Je dirais non. Vanina, j'ai déjà lu. Gaëtan, tu vas voyager. Ça va marcher. Paul Audrey, beaucoup de création personnelle. Ça va s'ouvrir. Geneviève, beaucoup de création aussi dans ton esprit. Très créatif. Richelle, tu es une architecte, une personne qui sait architecte de ta propre vie. Eubia, Michou, il faut tu as demandé une personne, non, c'est quoi? Monsieur Makeli, comment tu vas? Tu m'as fait les cadeaux, les roses. Aïssi Maël, créativité. Maurice Coco, opportunité. Bozolin, tu as les dons de guérison. Alors, tu as peut-être considéré la spiritualité pour le coaching. Secret de vie.
beaucoup d'opportunités aussi. Rosalie Shelby. Manque de confiance en soi. Rosalie Shelby. Marie-Thérèse, guérisseuse. Léonce, jalousie sur toi. On est trop jaloux de toi. Andrea, beaucoup d'efforts. On a bloqué tes résultats. Hermine, tu dois être sur les réseaux sociaux. Me please, c'est qui? Donne ton nom, c'est quoi? Bintou. Protection, tu es très protégée. Sonia, tu dois être à ton compte aussi. Lance quelque chose sur le côté. Business. Et tu as aussi des projets de cœur. Les œuvres caritatives vont t'aider. Et Ewan Sonia. Lisa. Tu dois aussi être à ton compte, Lisa. Pascal William. Manque de confiance en soi. Ornella Cécile. À un moment, ton argent viendra de beaucoup de pays. Soit tu auras peut-être un gars benguiste, mais ton argent, je vois ton argent venir avec beaucoup de devises. Je sais pas, j'entends un gars benguiste. Déboise. Manque de confiance en soi. Tu te descends beaucoup. Blandine. Tu as le don de l'enseignement, Blandine. Tu dois apprendre pour enseigner. Stéphanie. Soldat de lumière. Déboise Badje. J'étais déjà lu, non? Tu dois approfondir ton travail spirituel. Déboise Badje. Bonaventure Djengwe. Djengwe. Promotion. Serge qui était là-bas. J'étais à lui, Emmanuel. Tu viens donner Serge pourquoi? Ne lisez pas vos chocolats ici gratuitement. Hein. C'est quoi? Véronique. Change de voix. Elodie. Kemo. Tu es sur la mauvaise voie actuellement. Florence. Tu es un soldat de lumière. Vanessa. Tu es un soldat de lumière, Vanessa. Marie. Architecte. Tu es une personne, mentalement, tu es très forte pour planifier les choses. Altesse, tu es très protégée. Sandrine, architecte. Aminata, tu vas recevoir l'aide d'une personne. Ça va te soulager dans tes affaires. Marie, ton esprit est très ouvert. Un esprit rêveur. Ça va te donner l'argent. Mohamed Silla, abondance, succès. L'argent, Mohamed, ça arrive. Tu seras très riche. Sarah, tu dois travailler à ton compte, Sarah. Chimène. L'abondance, Chimène. Léa. Approfondis ton travail spirituel. Je dois travailler sur toi. Tu es très légère. Je ne sais pas qui c'est, mais tu... Léa, tu es légère. Tu crois que la spiritualité, c'est la blague encore pour le moment. Radine, tu as des dons de guérison. Stéphane. Tu es sur la mauvaise voie. Giovanni. Don de guérison aussi. Andrea, tu vas créer une entreprise familiale. Tu vas gérer avec tes enfants peut-être. Mohamed, beaucoup de jalousie sur toi. Zulia, tu vas créer aussi une entreprise familiale. Monsieur Makeli, tu es censé être connu sur les réseaux. Voilà, j'ai terminé. Mettez plus vos prénoms, je vais plus lire. Comment travailler à mon propre compte? Tu viens me demander. J'ai fini les lectures. J'ai fini, ne mettez plus vos prénoms, je ne vais pas lire. Ça prend beaucoup d'énergie. Vous n'aimez pas moi faire ça gratuitement. Trois cartes, c'est 10 000 francs. Et 10 cartes, c'est 20 000. Changer de voix veut dire quoi? Je ne sais pas. Ce qui est tiré sur la carte. Bon.
Vous avez retenu ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai parlé de ne pas succomber, non? Ne mettez plus les prénoms, j'ai arrêté. J'ai parlé de ne pas succomber. Gardez vos principes. Soyez patient. Contrôlez beaucoup vos pensées. Parfois, tu restes comme ça, tu te dis, je suis en train de penser à quoi? Est-ce que cette pensée-là est bien pour moi? Pour la lecture, le numéro du Cameroun, plus 237, 693, 50, 22, 66. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 07, 79. 02 52 05. Si c'était lui, tu veux que ce soit plus approfondi, tu écris là-bas. Ok. Tu peux avoir le don de guérison, tu es toujours malade. Je veux dire que l'ennemi va vous attaquer là où c'est votre, là où vous êtes censé réussir. Les formations spirituelles, on est censé recommencer cette semaine mercredi. Il y a la formation spirituelle pour ceux qui ont les dons de guérison là, qui veulent savoir comment les gérer. On a la formation sur ça. Mais les formations, mes formations, le début des formations, je ne parle pas encore des dons. Parce que tu ne peux pas gérer tes dons spirituels si tu ne sais pas te maîtriser toi-même d'abord. Tu dois savoir te maîtriser toi-même. Tu ne peux pas te maîtriser, il faut laisser. Donc, dans les débuts, je vous apprends d'abord comment vous maîtriser, comment savoir parler avec vos guides. Voilà. Le job, ce n'est jamais pour toi. C'est parce que tu es trop riche, Marie. C'est quoi le secret de Montaigne? Je vais fabriquer les produits Reine Lumière. Je vais vous vendre, vous allez acheter. Je vais mettre mon onction dans les produits là. Tu te réveilles, tu mets seulement le rouge à lèvres, tu pars. Tu veux monter, ma chérie, tu peux dire quoi? Tu peux monter, mais dis-moi d'abord, tu veux dire quoi? Quand tu montes, tu dois tourner les reins. Parce que tu te mets pas au-dessus sans tourner les reins. Hein? Tu veux pas jouer dessus, il faut tourner les reins. Tu veux tout monter? Hein? Il faut aussi le travail d'attirance, ne vous dérangez pas. Je les quitte. Prenez le kit d'attirance. Vous ne prenez pas. Ouais, qui a dit qu'elle va monter? Tu vas tourner les reins d'abord. Dis oui ou non. C'est embarrassant quand tu montes, tu es sur le dos, tu es comme ça là. Il reste comme ça, il dit que mais la fille, là, tu voulais monter, pourquoi alors? Vous riez seulement. Hein? Elle n'a pas répondu. J'allais te laisser monter, ma chérie. Oh, pourquoi tu fais ça? Hé, hey, Rogers, merci pour la fleur. Elle dit que tourner les reins, c'est quoi? Tu ne connais pas tourner les reins. Jesus is Lord. Fais la demande, tu vois. On va voir si tu connais tourner les reins. Chante tourner les reins, allez. Tourner les reins. Non, c'est pas ça. Chante bien. Tourner les reins. C'est pas ça. Tu as échoué. On dit tourner les reins. Baby, fais-moi voyager. Eh ouais. C'est comme ça qu'on chante ça. Fais-moi voyager.
Voilà, dis-moi maintenant alors, tu es montée pourquoi? Consultation. Je veux. Et quoi d'autre? C'est tout? Je suis sûr que tu es dans mon direct depuis 5 minutes. Tu as vu, j'ai reçu quelqu'un essayer de les consulter. Non, Les Gabonaises, c'est comme ça. Vous aimez trop me faire ça, les Gabonaises. Toi, tu es d'où? je suis gabonaise, je suis fan. Et tu es dans quelle ville? Je suis à Libreville. Je savais. Moi, je vous connais. Sais que les sirènes ont l'argent, non? Tu écris la sirène. Et tu ne connais pas chanter, tourner les reins. J'ai chanté, non? Tu ne connaissais même pas la chanson. C'est moi qui t'ai appris la chanson. Moi, je vais te tirer deux cartes. Tu veux savoir quoi? Bon, je veux savoir. Ma situation amoureuse et ma situation, on va dire ça comment, financière, les deux là. Ça fait quoi? Je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Et comment ça se passe si je vais rencontrer l'amour de ma vie maintenant ou après et l'argent et tout ça là, non? Oh, les contes de fées, oh! Vraiment. Hein? Tu me fais la petite sirène avec son gars là, ton tu veux le prince. Hein? Ok. Bah, une minute, s'il vous plaît, les Camerounaises, c'est comme ça que les Gabonaises parlent. C'est comme ça que les Gabonaises parlent, il faut seulement les prendre comme ça. C'est comme ça qu'elles parlent. beaucoup. Bon, toi, tu ne connais pas, tu as du retard externe sur tes choses. Je pense que déjà, à ce moment, tu devais même déjà être marié. Mais en même temps, c'est dû à tes guides. Tu as des dons. Tu es quelqu'un qui est appelé à aider les gens et aussi éclairer les gens. Tu as un appel spirituel auquel tu n'as pas répondu. Tu es le genre de personne que tu es bien, tu aimes faire rire les gens, tu es gentil avec les gens, mais tu ne veux pas approfondir, tu veux parler plus profondément que ça. Dans cette vie, tu n'es pas venu pour vivre superficiellement. Donc, tant que tu vas vouloir toujours être superficiel, certaines de tes choses ne vont pas avancer. Et aussi ta vision. Tu as des idées. C'est un peu spirituel. Tu es connecté à l'eau et tu as des yeux. Tes yeux, tu as quelque chose avec les yeux, la vision qui est très ouverte. Mais c'est comme si tu refuses. Pourquoi tu refuses en fait? Ça me fait peur. Il y a des moments où je me sens, où quand j'ai plus ça la journée, en fait, je sens comme quelque chose qui veut m'attraper le corps carrément. Et après lutter, lutter. Et quand ça me prend là, c'est comme si je voyage dans un univers vraiment différent, quoi. Et ça me fait peur. Ça me fait peur, je ne supporte pas ça. Tu ne peux pas fuir ta nature. Tu as suivi. Pas facile. Tu as une vie que tu es censé vivre, mais tu veux aller avec ce que ta tête te dit. Pourtant, ton esprit, tu as un esprit qui est déjà très très fort. Et tu es aussi connecté à des entités qui sont très fortes, mais tu refuses en fait. Et tu dois beaucoup tremper tes pieds. Beaucoup. C'est comme si. Oh, ça, c'est le truc qu'on dit même pas dans les directs. Faut me contacter en inbox, pardon. Ok, d'accord. Oui. Je peux avoir votre WhatsApp. Oui, prends le 0. Tu écris sur le 074 18 0080. Tu leur dis, me passe ton numéro. Je vais te parler maintenant parce que sinon je vais oublier. Je vais noter ça tout de suite Oui. dans Je sais pas qui me l'esprit. regarde ici là, donc parce que moi je les connais là. C'est vrai. Je vais prendre même le. Je cours vite là prendre un bic et écrire. Mais il ne faut pas fuir, hein? On ne fuit pas la chose là. Tu ne peux pas fuir. On ne fuit pas. Vraiment, c'est pas facile. Oh, mon sac est Si vous montez, vous vous taisez pendant qu'elle cherche son sac.
Bonjour. Oui, bonjour ma chérie. Assois-toi, tu attends seulement. Mange les arachides en attendant. Moi, c'est Irani, je suis Hey, gabonaise. encore. Esprit gabonais là, tu me veux quoi aujourd'hui? Oui, vas-y ma chérie, bonjour. Tu as trouvé ton bic? Mais j'ai trouvé. Ok, 074. Coupez vos micros, ceux qui ne parlent pas. 074 18 0080 14 18 10 8 0080, c'est ça. c'est plus 237 Non, c'est le numéro du Gabon. Écris seulement sur le WhatsApp, là, ils vont répondre, ils vont te donner mon numéro. ah ça ok Bye bye. Il faut m'écrire maintenant, parce que sinon je vais oublier moi. Ouais, celle qui parle, la gabonaise, faut parler. D'accord. Tout à l'heure, j'ai mis mon nom, mon prénom, et vous avez dit que j'ai le don de guérison. Oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai, parce que lorsque ma défunte maman, elle était malade sur le lit de l'hôpital, elle me l'a dit parce que je priais souvent avec elle, et lorsque je priais avec elle, elle se sentait mieux, et je posais souvent des mains sur sa tête. Elle me disait tout le temps, t'as le don de guérison, t'as le don de guérison. Mais après moi, je me disais, ouais, c'est peut-être parce qu'elle était malade, peut-être l'effet des médicaments et tout ça. Mais vous m'avez confirmé ça. Vous m'avez vraiment confirmé ça. Et j'aimerais savoir comment faire pour exploiter ce don. Je sais pas si tu me suis depuis combien de jours? Ah, mais moi, je vous suis depuis, hein. Ah bon, regarde, parce que ça veut dire que Je vous suis depuis. tu vas un peu savoir comment je fonctionne. Je fonctionne beaucoup sur le timing. Bon, écoute, je sais pas, il y a un truc qui veut que je mette seulement ça sur mon cordon. En te parlant, je vais seulement faire. Bon, regarde, je fonctionne beaucoup sur le timing divin. Donc, tu dois comprendre que quand tu as un don, beaucoup de personnes, quand ils ont un don, ils attendent, ils croient qu'ils vont faire quelque chose que maintenant. Genre, ok, comme j'ai un don, ça veut dire que je dois sortir en route, je mets mes mains sur les gens, ils guérissent. Non. Et ça, c'est l'un des pièges dans lequel l'ennemi vous met. Le don de guérison, c'est quelque chose qui n'est même pas d'abord premièrement pour tout le monde. Genre, tu peux arriver quelque part, quelqu'un est malade là-bas, tu ne peux pas te mettre ta main sur lui, tu ne pries même pas pour lui. Pardon. Donc, tu dois C'est comprendre que vrai. ton don n'est pas. Il est sélectif. Parce que sinon, certaines personnes peuvent te faire douter de ce don, peuvent te vider temporairement, parce qu'on ne peut pas prendre le don de quelqu'un, mais il y a des personnes qui marchent là-dehors et qui se nourrissent, ils font semblant, mais ils sont contrôlés par des entités qui sont là pour vider d'autres personnes. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, moi, je ne soigne pas tout le monde. Quand tu arrives, quand ils voient un peu un genre, non, je te... Donc, il faut être conscient qu'il y a des personnes qui vont venir vers toi pour exploiter ce don. Et beaucoup de femmes qui ont le don de guérison, vous avez parfois de mauvais compagnons. Donc des personnes. Oui, c'est vrai. Ok. Donc tu vois que c'est un peu comme si ton don c'est un cadeau que tu. Quand on joue le rugby, on porte une balle, on doit courir pour aller déposer la balle après la ligne. Le but c'est que tu dois traverser tous les obstacles qu'elles sont en train de te donner là avant de pouvoir librement exercer ce don. Donc ça peut prendre parfois prendre 5 ans, 10 ans, ça dépend, hein. Donc, le partenaire, la partie de ton partenaire, c'est la suivante. Beaucoup de problèmes, parfois il ne croit pas en toi, Oui. autant de petites choses. Et ça te fait Oui. douter. Parce qu'un don est accompagné toujours des guides. Donc, les guides, si tu ne peux pas développer la capacité d'écouter tes guides, tu vas les écouter au-dessus de ton don. Donc ne mets pas la priorité. Tu vas aussi passer l'étape où les gens vont venir, ils vont commencer à t'idolâtrer pour ce que tu portes. Oh vraiment, tu es la plus grande guérisseuse. Tu as prié pour moi, je suis guérie. Oh, rien que toi. Résiste aussi à cette partie-là. Il y a aussi la partie où tu vas vouloir la gloire. La gloire. Genre, vous ne voyez pas que je suis la plus grande guérisseuse. Je peux me faire plus qu'elle là. Tu pars en ligne, tu vois quelqu'un qui fait. Tu dis, moi, il peut faire plus que toi. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui seront. Tu seras testé. Mais la première étape, c'est que tu te dises d'abord, ok, j'ai ce don, à part mon boulot que je fais, parce que en attendant de développer nos dons, on a d'abord un boulot de tous les jours.
Donc, ton don est censé servir dans une juridiction, dans un pays ou bien sur une plateforme. Il y a un endroit pour ton don. Et généralement, quand tu as des dons, de temps en temps, tu vas rencontrer des personnes que le Seigneur va envoyer pour te parler, pour te donner des instructions. Peut-être tu es en France et tu découvres que tu as des dons de guérison là-bas. Et tu rencontres quelqu'un en route, tu te dis, tu es censé être en Afrique. Hein? Tu es censé être en Afrique. Ou tu fais un rêve. Donc, généralement, le don de guérison, ça s'accompagne de prémonition ou bien de la capacité de faire des rêves prémonitoires. Donc, parfois, toi-même, tu vois ce que tu es censé faire. Toi-même, tu vois tes choses dans le rêve. Oui, en fait. Ouais. Oui. Ça fait partie du cheminement, mamie. C'est tout ça, c'est le chemin de ça. Maintenant, il y a les phases où... Pardon? Sans vous interrompre, excusez-moi, ma reine. Quand je fais souvent des rêves où je suis en train de guérir des femmes enceintes, par exemple. Et il y a parfois des rêves où je me sens attaquée. Et je vois des géants, vraiment des géants des forêts, vêtus de blanc, des grands, hein, qui me prennent, qui me lèvent. Et ça, en fait, après, ceux qui me poursuivent me cherchent. En fait, ils me cachent. Après, ceux qui me poursuivent me cherchent. Bon. Beaucoup d'entre vous, vos dons ne sont pas que pour le physique. Tu as les dons de guérison, mais même avant que tu ne commences à guérir physiquement, tu utilises déjà ça dans tes rêves ailleurs. Oui. Donc, la jeune fille qui était là tout à l'heure, par exemple, elle a des dons qui lui servent déjà. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'aime pas souvent voyager. On a les médias nous ont fait voir le voyage astral comme si c'est négatif. Parfois aussi l'église, oh, tu n'es pas censé. Alors que tout le monde dort, même les pasteurs, vos pasteurs des églises là, quand ils dorment, ils voyagent, ils n'ont pas le choix. Tout le monde le fait. Donc, il y a autant de choses que tu dois d'abord comprendre. Maintenant, quand tu as des dons et qu'on t'a dit, malheureusement, dans les débuts, beaucoup de ces personnes-là, vous devez d'abord maîtriser la partie financière de votre vie. Donc, au départ, vous souffrez un peu. Tu souffres, on te dit que tu as les dons de guérison. Tu souffres, tu as les dons de guérison. Je n'ai pas l'argent, je ne suis pas aisé financièrement. Vous me dites qu'il peut guérir les gens. Donc, soit c'est cette partie-là. Tu souffres financièrement alors que tu as les dons et tu ne sais pas comment monétiser ces dons. Soit tu as déjà ton argent et ce don vient, tu sens dans toi qu'il faut que tu laisses ce que tu faisais là pour aller suivre ton don. Et tu te dis que si je suis mon don, je vais perdre, je vais devenir pauvre. Donc, tu ne veux pas. Je ne sais pas si vous avez compris les deux Oui, je situations. vois, je vois. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le jour où tu vas commencer à guérir physiquement que tu as commencé ce jour-là. Tu guéris déjà depuis longtemps. C'est juste que tu ne le savais pas. Donc, il faut juste... et voilà. Et aussi une autre chose, beaucoup de personnes sont intronisées dans le rêve. Donc, vous avez déjà un monde dans le rêve dans lequel vous vivez. Même pas un seul, plusieurs. Donc, les géants là, c'est peut-être parfois tes guides, parfois même ce sont tes sujets, les personnes qui sont sous tes ordres. Et. Attends, je me connecte pour voir ce qu'on est en train de dire. Un cas, il y en a que vous êtes déjà des rois dans le rêve, vous avez ces dons-là, et ça vient souvent de vos anciennes vies. Donc, dans cette vie-ci, beaucoup, dans votre mémoire spirituelle, vous rappelle beaucoup de choses, mais l'esprit n'arrive, le physique n'arrive pas à catch up. Ça n'arrive pas à rattraper et ça vous embrouille. Or, tu vas essayer pas ta... Oh, je fais comment? Je fais comment? Ce n'est pas l'attitude à faire. Première chose, tu dois avoir d'abord la foi que si je l'ai, ça veut dire que je peux. Et c'est là que tu actives tes gens. Donc, avant de renaître, tu as lancé un mécanisme qui est allé au-devant de toi pour préparer les choses. Donc, et peut-être tu es né dans une famille où ton père peut-être était un athée, ta mère athée, il ne connaissait pas tout ça. C'est peut-être vers l'âge de 15 ans que tu rencontres quelqu'un qui te parle de toi. Et quand il te parle, ça t'active. Tu dis, mais pourquoi est-ce que... Je sais pas pourquoi j'aime trop la tata, si tu veux partir là-bas, tu veux partir là-bas. Donc, quand tu arrives, ça, tu es en période d'activation. Quand tu es activé, ça va prendre du temps pour que tes outils viennent à toi. Attendez, j'enlève la femme ici. Ouais, Seigneur, c'est quoi ce manque de respect là? Nikita, c'est toi qui parlais, non? Oui, maman, c'est Ok, moi. c'est bon. Donc, quand tu arrives, tu commences à être activé. Donc, vous portez des dons en vous, même plus que la guérison. Mais selon les phases, ça s'ouvre. Les phases, ça s'ouvre. Les phases, ça s'ouvre. Mais beaucoup d'entre vous, les dons qu'on vous a donnés, dans les rêves, les batailles et tout ça,
Le but, c'est de... C'est un peu comme, vois, un peu comme si tu as un jeu vidéo. Et il y a 50 obstacles. Au plus tu grandis, les phases de ta vie, non. Il débloque chaque niveau. Il débloque chaque niveau. Beaucoup de vos batailles se font dans l'invisible. Et de temps en temps, parfois, on vient, on te donne physiquement, une personne te rencontre, te dit que fais comme ça. Tu fais dans le physique, ça accélère ce qui se passe dans le spirituel. Oui, je vois. Mais je suis sorcière, tu ne savais pas? Je suis sorcière, monsieur ou c'est madame, ok? Je suis une sorcière. Bon, c'est pas nouveau, ok? C'est pas nouveau. Donc, on peut continuer. Donc, ce qui fait que, s'il vous plaît, chrétien, religieux, abstenez-vous. Ne venez pas ici commenter. Quittez, s'il vous plaît. C'est des choses que je n'aime même pas trop expliquer dans mes vidéos parce que les gens, c'est dans mes formations que je parle même des choses comme ça. Parce que les gens qui ne comprennent pas, ils vont venir faire comme ça là. Oh, non, bon, on continue. Donc, il y a Oui. beaucoup de tes combats que tu mènes dans l'invisible quand tu dors. C'est comme si on est en train de te livrer tes outils par étapes. Donc, tu reçois tes choses étape par étape. On dépose, tu reçois. On dépose, tu reçois. Même la conversation qu'on a ici, ce n'est pas un hasard. Vous devez comprendre que quand on ferme les yeux dans un endroit invisible, beaucoup d'entre nous, on se connaît. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a que vous, depuis qu'on se rencontre, vous êtes trop attirés par ce que je fais. Parce que quelque part, on se connaît. On a un lien. Peut-être vos guides et mes guides, ils sont ensemble. Peut-être assignment en français, c'est quoi? La mission qu'on a reçue en venant, ça se ressemble. Donc, pour accélérer les choses un peu, et puis ta question n'a pas une réponse fixe, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que progressivement, tu vas laisser ton ancienne vie et tu vas entrer progressivement dans ta nouvelle identité. C'est-à-dire, peut-être, si tu écoutes mes vidéos, de plus en plus, tu vas écouter les vidéos qui sont comme les miennes, de plus en plus. Parce que tu es en train de te métamorphoser. Tu es en train d'accepter qui tu es réellement. Et ça prend du temps chez certaines personnes, chez d'autres, c'est un peu plus radical. À un moment, on va venir clairement. Ces gens vont quitter de l'invisible et venir. Il y a eu des rencontres que j'ai eu à faire. Je me suis dit que, this is crazy, like, ça, c'est pas vrai. Like, non, donc peut-être tu rêves la nuit, tu fais un truc dans le rêve. Le matin, la personne vient te dire que dans la nuit tu m'as appelé. Donc, tu te dis que, mais attends, que oui, dans la nuit quelqu'un m'a parlé, que c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Et c'est là que tu commences à comprendre que, en fait, tout ça est lié. Oui, Donc, effectivement. ça, ce sont les étapes, ce sont les phases. Et à une autre étape, tu vas commencer à vivre. Donc c'est comme si quand à cet âge-là, tu as accepté ton appel. Tu refuses maintenant de te conformer à ce que les autres veulent que tu fasses. Oh, elle n'est pas mariée, pourquoi? Oh, il faut aller en Europe. Toi, tu dis non, je sens que je dois être peut-être dans ma terre, je dois être dans mon village, je dois être dans ma ville, ou bien tu peux aller vivre là-bas quelque part, peut-être à Kanda, tu sais que c'est là-bas que tu dois être. Donc tu commences maintenant à écouter ce que eux te disent plus que ce que la société veut que tu fasses. Et à ce moment, tu es prête pour que physiquement, on amène maintenant tes personnes à toi. Et avant, ça fait seulement 3 ans que je soigne les gens physiquement. Mais mon appel, je l'ai reçu depuis 13 ans. Donc, j'ai fait 10 ans, les gens ne venaient pas à moi. Une fois comme ça, tous les 3-4 mois, quelqu'un venait. Mais j'avais plein de choses à dealer d'abord avec eux. Avec ma propre vie, avec ceci, avec cela, avec ça. Donc, et à un moment, quand tout a cliqué, tac, 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 comme un coffre qui doit s'ouvrir, là, ça s'ouvre et là, les gens commencent à venir. Et tu apprends aussi à te connecter, à écouter quand on te parle à tout moment. À ne pas fonctionner avec les yeux. Parfois, tu arrives, tu vois un monsieur avec une grosse voiture. Tout le monde dirait, ah, c'est non, un bon mec m'a parlé, il faut que j'accepte. Toi, tu dis non. Non, toi, tu dis non. Je ne le sens pas, je n'y vais pas. Donc, tu as une fermeté dans ce que tu fais parce que tu écoutes plus tes guides que ce qui est devant toi. Donc, au début, on te donne de temps en temps des signes. Après, c'est toi-même qui cherches. Après, on te parle, tu compares ce que tu as reçu avec ce qui se passe. Après, tu commences à obéir. Après, tu ne rentres plus en arrière et tu ne fais que ça. Ce sont des étapes. Bye. D'accord. Bye alors. Revoir, merci. Ouais, il y a les folles sur mon digue. Je ne savais pas que les folles me suivaient. Hein, mes filles, ici là. Les petites folles.
L'autre est venu l'autre jour à Libreville là-bas. Elle m'a dérangé. Et là, regarde comme ça, là, elle dit que toi, c'est là. Sophie, tu m'as vu dans tes rêves aussi. Oui, je voyage beaucoup, mamie. Ne dérange pas. Je n'ai pas besoin de visa. Si je pouvais quitter ce monde spirituel, je le ferais. Ben, si tu veux quitter, tu leur dis. Hein? Livia Fosso, Jesus is Lord. Tu as le nom de ma petite soeur. Elle s'appelle Livia Fosso. Maman. Mais tu me poses la même question plusieurs fois, je vais te bloquer. J'étais intronisée dans mon rêve. Ah, je t'ai intronisée dans ton rêve. Quand tu rêves comme ça de quelqu'un, il faut chercher la personne. Moi, je sais que vous aimez toujours. Sophie Sandrine, ce que je t'ai délivré dans ton rêve, si j'étais fait vomir un truc dans le rêve. Vous prêtez très peu attention à vos rêves. Très peu. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays ou des traditions dans lesquelles, quand tu te réveilles le matin, tu t'assois, tu te rappelles ton rêve, tu causes avec la personne, tu dis que ça, là, ça voulait dire que quoi est. Et tu vois ce que tu dois faire de ce rêve-là. Non, 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 pour vous, là. Ah oui, oui, je me lève. Ah oui, j'ai rêvé même de ça la nuit. On ne fait pas comme ça. Bon, vous êtes encore dans vos étapes. Chinda, bonsoir. Today's a new day. Today's a new day. Hey, applaudissez chez vous. Hey, applaudissez. Hey. I always gave up. Applaudissez alors. C'est bien ça, Liliane. Shine, even the water. Bon, quels sont ceux qui ont demandé à monter? You look so much better when you smile, smile, smile. Je ne sais pas qui j'ai laissé monter. Sophie Sandrine, bonjour. Bonjour, Henriette. Comment tu vas, Sophie Sandrine? Ah, ma reine, je vais bien. Je ne sais pas pourquoi je suis joyeuse. Je suis en train de chanter, tu n'es pas joyeuse comment? S'il faut être joyeuse, c'est ça, c'est bien. Je disais que bon, cette nuit, c'est la deuxième fois que je vous vois dans mes rêves. La deuxième fois. Et je n'ai vraiment pas compris le fait que vous m'avez fait. Bon, au départ, je ne venais pas pour une consultation en fait. J'étais avec une amie, elle me disait qu'elle a. On venait faire la manicure. Et c'est en fait, subitement, je tombe. Je tombe dans votre atelier, je m'assois pour faire la manicure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Il y a beaucoup parmi vous que notre on est censé travailler ensemble, juste censé travailler sur vous. Oui. Il disait que beaucoup d'entre vous sont censés travailler sur vous. Mais vous êtes. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est peut-être la tétutesse. C'est la tétutesse, Sophie. Non, moi, je ne suis pas têtue. Ok. Ah, Aurélie dit craintif. Vous avez peur de moi. Je mange les gens. Je ne suis pas gargantua. Il y avait un monstre dans le film qu'on regardait quand on était petit là. Il dit manger les gens. Je ne mange pas les gens. Tu as une délivrance dans le rêve. Si tu peux, il faut prendre un de mes. Peut-être le lavage. Quand on te montre comment ça veut dire que tu as déjà. Beaucoup des enseignements que je donne, ça t'a libéré. Maintenant, il faut encore que je travaille sur toi. C'est bien comme tu réponds à tes questions, Tom. Tu voulais devenir belle et bête. Tu voulais devenir belle et bête. Hein? Hein, Sophie? Ok, j'ai compris. Je vais écrire. D'accord, Sophie.
Bye bye. Bye bye. Vous aimez ça. Bye alors. Tu m'as dit bye 5 fois, bye. Accroche non. Bonjour ma reine. Bonjour, tu es aussi gabonaise? Oui ma reine, je suis gabonaise ivoirienne. Ah! Comment tes parents ont pu faire ça? Allez. Je vais très bien, oh, mamie. Je vais très bien. Et toi-même, tu vas bien, non? Ah, Dieu merci. Ça fait la troisième fois maintenant que je vous vois dans mon rêve. Oui, le dernier rêve s'est passé avant-hier, après le bain de riz au sel. Ah! Parce que je suis dans le groupe. Oui. Oui. Quand j'ai fini le bain, vers les 4 heures du matin, j'ai fait le deuxième, je fais le premier bain à 23h30, je fais le deuxième à 4h du matin. Je me suis couchée et c'est comme si vous étiez en train de me laver. Vous m'avez lavé, quand vous avez fini de me laver, vous m'avez intronisé sur une chaise royale avec une couronne en courrie sur la tête. Wow. J'ai vraiment pas compris. Ah, dit que, hey, tu n'as pas compris? Ça c'est... Hey. Non, ça, non ça, attends, attends, t'es dit. Ça, ça... Attends, t'es dit quoi? Je vais te donner mon interprétation comme tu n'as pas compris. Hein? Ça veut dire que tu étais devenue la servante de la maison qui va balayer le sol. C'est bon? Ouais. Oh, oh, oh. Ça va, non? Il t'a interprété ton rêve. J'étais vraiment contente que ce soit vous qui le fassiez pour moi. J'étais vraiment contente parce que je vous suis, ça fait 3 ans maintenant que je vous suis. Je fais les bains au sel, les bains au pipi. Oh, les bains là seulement, je fais. J'ai dit non, je dois faire la consultation. La reine là doit me toucher. Parce que là, ça devient sérieux. Voilà, eux-mêmes t'ont montré. Ça devient là sérieux. En tout cas, vous m'édifiez beaucoup. Vous m'édifiez beaucoup. Et j'étais vraiment attirée par vos vidéos. Parce que vous faites. À chaque fois, quand il y a un live, quand je ne suis pas là, quand je viens, on me dit qu'il y a tel live. Mon cœur me fait mal. J'ai dit, oh, j'ai raté le live de la reine. Mais pourquoi? Donc j'étais vraiment aux aguets. Sur TikTok, sur YouTube. Franchement, vous m'édifiez beaucoup. Et vous avez débloqué de grandes choses dans mon spirituel. Depuis que je vous suis, je constate beaucoup de choses, des signes qu'on me montre au niveau des divinités ancestraux. Il y a certaines choses qu'on me montrait avant que je ne considérais pas. Mais depuis que j'ai commencé à vous suivre, je fais attention aux petits détails. Ah, c'est super. En tout cas, ça me fait vraiment du bien. C'est ça qu'ils veulent, oui, c'est ça. Merci d'avoir raconté ton rêve. Donc, la reine. Non, ma reine. Les Ivoiriens disent qu'on est au Koyi. Moi, là, on n'allera pas jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, il n'y a pas de problème. On va venir prendre la coupe chez vous, tu sais ça, non? Quoi, c'est? On va venir prendre la coupe d'Afrique, là. Vous allez voir ça. C'est pas grave. Ah. Ça, là, même, là, on vous donne. Donc, tu acceptes. Les Ivoiriens vont te... Oui, la Côte d'Ivoire. Tu acceptes. Aïe, ah, yeah. Toi, tu veux des problèmes. Oui. Les Ivoiriens, là, vous me tuez, mais j'ai accepté. Donc, il faut continuer. Quand on t'intronise déjà dans le rêve comme ça, là, ça veut dire que, je pense que le fait que ce soit moi, ça veut dire que les enseignements, ils te montrent que c'est les enseignements que j'ai donnés, ça a beaucoup contribué à t'ouvrir, à t'activer. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes activés. C'est l'activation, vous activez. Voilà, c'est déjà pour te montrer ça. Oui. Je crois que les prochaines intronisations sera peut-être vers mars, comme ça, parce que j'ai formé certaines personnes après, avant de faire l'intronisation. Donc, d'accord. Il te faudra faire ça, ok? D'accord. Bonne journée, non? Merci beaucoup, ma reine. Vous êtes trop belle. Merci. Je vous aime tellement, oui. Merci, c'est gentil. Thank you. Bon, bisous à vous et bonne journée. Merci. Vous voyez comment les Gabonais sont bien, hein, les Camerounaises? Hein? Tu vas descendre, donc. Descends, alors, comme ça, Anaïs peut parler. Anaïs, bonjour. Les Gabonais sont bien. Bonjour, comment tu vas? Moi, j'aime les Gabonais. Tu es aussi Gabonaise? Oui, je suis Gabonaise. Donc, ton accent n'est pas gabonais, pourquoi? Dis un peu que je veux manger. Dis. Je veux? Dis que je veux manger. Je veux manger.
Bon, ça va, tu es gabonaise. Oui, dis-moi alors, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, moi, je viens parce que j'ai fait un rêve où il y avait une dame, on était à trois. Hey! Il y avait une dame qui attends, c'est devenu interprétation de rêve. Attends. Le truc, c'est quoi? Je n'aime pas trop quand on expose les rêves. Je fais trop attention à ça. Tu as rêvé ça quand? Ce que tu entends vouloir me dire là, c'était quand? Ce matin. Vas-y alors, je t'écoute. Je n'aime pas moi ça, c'est pas... Voilà, t'es juste, je rêvais, elle me donnait quatre assiettes, quatre grandes assiettes blanches. Et sur le bout de l'assiette, c'était comme une vague. Il y avait comme des vagues sur le bout des assiettes. Quatre, vraiment des grandes assiettes. Hein. Oui. Et je me suis réveillée. Et t'as une femme de l'eau, toi? Ça, c'est même pas à douter. Non, d'accord. Mm-hmm. Ça ne te dit rien? Je sais pas trop comment réagir. Tu es dans quelle ville? Libreville. Il faut aller à l'eau. D'accord. Va avec. Tu prends juste du riz, du lait et un jus. Tu y vas. D'accord. Tu parles, je dépose. Demande à l'esprit positif. Dis que tu parles à l'esprit positif de l'eau. Précise bien ça. Ok? Et tu demandes l'assistance de tes ancêtres. Tu dis que tu es venu leur apporter ceci. Tu demandes qu'ils t'éclairent. Et tu demandes ce que toi-même tu désires. Et je sais pas ce que tu désires, mais je pense que ça a à voir avec. Tu dois être quelqu'un de l'eau. Ouais. D'accord. Ok. Donc, du riz, du jus. Du lait. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, ma reine. De rien, tu te laves avec le sel. Oui, depuis déjà. D'accord, pas de problème. Ça marche. Bon, bye bye, non. D'accord. Bye bye, ma reine. Merci. Merci. Et je vais avoir encore plusieurs pour couper. Vous suivez ma vie même plus que moi. Bye. Faut me laisser. Ah, les femmes, c'est là, vous me voulez quoi? N'est-ce pas les cheveux en courant? Ça pousse en courant. Il faut qu'on ait les cheveux. Ça pousse, non? Christy, j'ai vu ton rêve. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Bonjour, bébé hollandais. Tu as les joues? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu as les joues? Je peux bien appuyer tes joues. Tes joues. Tes joues. Tes joues. Je peux appuyer tes joues. Oui. Oui, j'ai les joues. Est-ce qu'un être humain n'a pas les joues? Elle dit que j'ai les joues. bonjour tout le monde. Bonjour, Reine Lumière. Oui, bonjour. Toi, tu es gabonaise aussi? Non, je ne suis pas gabonaise. Je suis ivoirienne. Ok, dis-moi alors. Ivoirienne. Bien, comme tout à l'heure, je te suivais et tu as dit que tu n'aimais pas trop les interprétations de rêves. Donc, je ne sais pas. Et toi, tu viens me donner ton rêve, c'est ça? Oui, parce que après, des fois, on est un peu confus, on fait des rêves, on est perdu, on est confus, tout ça. Mm-hmm. Donc, je sais pas si je peux. Bah, vas-y, si je ne peux pas, je te dis. Ok, d'accord. Dans ce cas, j'ai fait un rêve où j'étais avec, on va dire, un petit ami. Voilà. Et dans la réalité, c'est un petit ami. Tu as combien de petits amis en réalité? J'en ai pas, en fait. Ah, je crois que tu avais dit trois. Ok, vas-y, continue. Non, j'en ai pas. Et ce dernier m'a demandé de l'accompagner. Donc, on était en voiture. On se dirigeait vers une forêt. Qui conduisait? Lui, il conduisait. Et on allait dans la forêt. Là-bas, on a trouvé lui, deux de ses amis à lui. Avec un, je peux dire, comment on peut les appeler, les tradis praticiens, non, des marabouts ou des féticheux. Bon, c'est bien sûr, c'est des hommes assez mystiques. Quand on a trouvé là-bas avec deux de ses amis, il leur a remis chacun des trois un canari, chacun des trois, et il leur demandait de chacun de partir dans un coin pour se laver.
de faire dos, d'aller se laver. Et ses amis sont partis le faire. Lui, quand il a fait, il m'a fait dos. Il s'est lavé avec le canari. Et quand il s'est retourné, il m'a regardé. Il est devenu fou. Il est devenu fou et le marabout en question n'était plus là. C'était que nous deux. Et il n'était plus normal, ça n'allait pas. J'essayais de le ressaisir, mais ça n'allait pas. C'est un peu ça. Jusqu'à ce que je me réveille. Avant ça, tu as fait quel genre de travail spirituel sur toi? J'ai jamais fait de travail spirituel. Les choses comme ça, j'aime moi parler des trucs en privé parce que... vous savez, l'interprétation de quelque chose peut avoir plusieurs sens. Et ce que moi, je peux te dire par rapport à ça, une autre personne peut venir ici là et te dire autre chose, une autre personne te dit autre chose, une autre personne te dit autre chose. C'est pour ça que vous devez faire très attention à qui vous dites vos rêves, à qui vous dites vos projets et même vos doutes, quand tu as le doute sur quelque chose. Oui. Ça, ce que tu es en train de dire là, ça a besoin, il faut qu'on étudie parce qu'il y a plusieurs signes dedans. Le fait déjà qu'il te conduisait, le fait qu'il y ait des féticheurs qui étaient impliqués, le fait que ce soit ton petit ami dans le rêve, il y a plein de petits détails déjà. Donc, je te conseillerais d'écrire à mes secrétaires. Tu dis que tu veux une interprétation de rêve. Je vais te faire la réduction. Tu vas payer seulement 10 000 pour l'interprétation de rêve. Et là, je vais te parler en privé. Mais je pense qu'il faut travailler sur toi. Même s'il est devenu fou, il faut travailler sur toi. Le fait qu'il conduisait, le fait que c'était ton petit ami, le fait qu'il t'a amené dans une forêt, il y a plein de petits signes là-dedans déjà. Voilà. Ok, d'accord. Le numéro est dans la bio, tu peux le prendre. Mmh. De rien. D'accord, merci Reine Lumière. Mmh, de rien, ma chérie. D'accord, merci. Je sais que vous blaguez parfois, généralement, avec vos rêves, mais ne faites pas ça, je vous en prie. Prêtresse Densouci. Que me vaut l'honneur, ma chérie? Ceux qui disent qu'ils veulent monter, vous voulez monter pour dire quoi? Si vous me dites d'abord. Tu as fait un rêve là où les gens voulaient que tu pries pour eux. Tu as sûrement des dons de guérison. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Kala, tu dis que je suis belle. Merci. Non, je fais pas les consultations. Pourquoi vous voulez me faire ça? Prêtresse. Il faut d'abord que tu me dis. Parce que quand vous montez tout, c'est la même chose que vous voulez dire. Du coup, ça me... Ne me fatiguez pas l'esprit. Je dois aller bosser après. Hello, bonjour ma mère. Bonjour prêtresse, comment tu vas? Je vais très bien. Mm-hmm. Dis-moi alors. Allô? Oui? Allô? Vous l'entendez? Allô? Allô? Très bien. Oui, parle alors. Pas mal de temps, hein. faut me laisser. Pour ta canon, quand vous me voyez comme ça, alors pensez que j'ai le temps. Où est-ce que tu dis? Je cherche une personne. Tous ceux qui ont demandé à monter là, vous voulez dire quoi? Vous dites. Non, je ne veux pas. Parce que tous des rêves là, c'est, vous voulez m'éparpiller. Je n'aime pas rentrer dans les rêves si la personne n'est pas déjà concentrée pour ça. Vraiment. Il m'a fini mon direct. Tu as un souci avec ton petit ami. C'est pas, je ne fais pas ça pendant cette séance. Ton gars est parti, tu veux le ramener pourquoi? Hmm? Non, TikTok, vous voulez m'embrouiller. Je ne suis pas dedans. Bye bye.